Vous écoutez Calivision, en est en direct, toujours dans l'université réfractaire, dans quelques instants, conférence avec Victor Dedage, cette fois je vais essayer de modifier le, le nom avant que ça commence, ce serait pas mal. Vous pouvez démarrer. Ah, tu fais la voilà, présentation, bon c'est fait. <laughs> ouais, comme je te l'ai dit. Ok, super. Bon, ben, euh, ce soir on va parler du lien d'Assange, du cas Assange, la crucifixion d'Assange. Et euh, on va recevoir donc on reçoit euh, Victor Dedage qui euh, va nous raconter tout ça. Victor, est-ce que tu te présentes succinctement avant de commencer? Euh, je m'appelle donc Victor Dedage, je suis moi-même australien, je vis en France depuis pas mal d'années. J'ai fait depuis les années 80 du journalisme citoyen, du journalisme alternatif, avant même l'apparition de l'Internet, qui a été un sacré boost. Euh, en ce sens que j'ai effectué des reportages sur le, le, le Nicaragua révolutionnaire dans les années 80 jusqu'en 90, je suis devenu spécialiste du Cuba et des questions d'Amérique latine. Et pour des raisons personnelles, j'ai tout de suite accroché avec le projet Wikileaks. Et depuis novembre 2018, je m'investis à temps plein pour faire connaître cette histoire qui a fait l'objet d'une désinformation ou d'une malinformation euh, étonnante. Voilà. Alors, on va peut-être commencer, comme toute bonne histoire, est-ce qu'on peut nous planter un petit peu le décor avant de parler de qui est Julien Assange, qui est Wikileaks, qu'est-ce qu'il a fait et quel est, euh, pourquoi est-ce qu'il se fait crucifier aujourd'hui Écoute, il paraît que pour démarrer toute euh, conférence, il faut commencer par une anecdote. Alors, euh, je vais commencer par une anecdote. Dans les années 80, très, plutôt au début, milieu des années 70, alors que j'étais jeune, j'étais beau et que je sentais le sable chaud, je travaillais dans une société mutuelle privée et j'étais en charge à la fois de l'informatique et de la comptabilité. Par le plus grand des hasards, j'ai découvert un mécanisme qui permettait à cette société d'arnaquer la sécurité sociale de plusieurs millions de francs à l'époque par an. Non seulement j'ai découvert ça, mais j'ai même assisté à une réunion, à Dieu le Fit pour être précis, dans un hôtel 5 étoiles installé dans un ancien château des Templiers, où j'ai assisté, j'ai personnellement assisté à une réunion de plusieurs sociétés qui affinaient leur stratégie pour appliquer cette technique pour arnaquer la sécurité sociale. À l'époque j'étais jeune, mais si j'avais un portail ou un moyen, si j'avais eu un moyen, pas un portail, j'avais aucune idée que l'informatique aller apparaître et si j'avais eu un portail pour euh, comment dire exposer cette euh, arnaque je crois que je me serais pas gêné mais j'ai manqué probablement de courage et de ténacité j'étais encore trop jeune peut-être j'ai écrit néanmoins à quelques médias l'humanité canard en enchaîné le matin de paris si je me souviens bien et quotidien qui écrit, existait à l'époque sans réponse de leur part Quelques années plus tard, ayant grimpé les échelons, j'étais devenu un consultant financier pour les sociétés multinationales anglo-américaines. Sacré poste d'observation, si vous voulez mon avis. Je voyageais à travers le monde, je tutoyais les directeurs financiers et je m'occupais d'une entreprise qui s'appelle, notamment à l'époque, Union Carbide. Union Carbide a défrayé la chronique par une explosion dans son usine à Bhopal, en Inde, tuant sur le coup 10 000 personnes et ruinant la vie de centaines de milliers de familles. À l'époque, Union Carbide, euh, nié sa responsabilité, a été condamné à une amende, qu a, euh, amende qu'elle a, qu a contestée et critiquée, mais j'avais la preuve, moi, qu'Ignine Carvalho avait déjà mis de côté, réservé, si vous voulez, dix fois la somme de l'amende euh, que, la, que la justice indienne devait euh, la condamner. Si j'avais eu à l'époque un moyen, pour communiquer de façon anonyme la réalité de ce qui se passait en coulisses, j'étais dans une position d'initié de l'intérieur, des preuves du document, je l'aurais probablement fait. Mais j'étais jeune, j'étais beau, je sentais beau, le sable chaud, je gagnais super bien ma vie, j'ai probablement manqué de courage et je n'avais pas les tendances suicidaires. Des années plus tard, on verra apparaître quelque chose qui, forcément, forcément, m'interpellera à titre ne serait-ce que personnel. Alors, pour bien commencer une histoire, il paraît qu'il faut savoir aussi choisir le point de départ de toute histoire. Moi, cette histoire, je vais vous la faire démarrer assez longtemps en arrière, mais rassurez-vous, je vais avancer rapidement. Je vais la démarrer aux attentats du 11 septembre 2001. Les attentats du 11 septembre 2001 verront un changement radical dans pas mal de domaines. Ce sera un point de bascule d'un ancien monde vers un nouveau monde. Ce sera les guerres illégales en Irak et en Afghanistan et les manifestations monstres qu'on n'aura jamais vues, je crois, de l'histoire anti-guerre à travers le monde. Ce sera l'instauration d'éléments de langage omniprésents qui se diffuseront dans tous les médias partout dans le monde des expressions comme « l'Irak était la quatrième armée du monde ». Tu parles Charles, il fallait bien qu'elle soit la quatrième armée du monde pour ne pas faire passer les G.I. américains pour de simples assassins. La réalité sera que l'armée irakienne sera balayée au bout de 15 jours et que les seuls blessés qu'on comptera chez les G.I. c'est probablement des mecs qui se sont coupés en ouvrant des boîtes de conserve. On nous parlera à l'époque des forteresses souterraines d'Al-Qaïda en Afghanistan en nous montrant des schémas avec des centres de stockage de missiles, de centres nucléaires. Bref, le délire le plus total. Mais ce sera probablement aussi, et ça c'est moi qui l'analyse ici, la fin d'une certaine doctrine qu'on appelait jusqu'à présent la doctrine de Nuremberg, tirée de l'idée que depuis la Deuxième Guerre mondiale et les procès de Nuremberg, des, euh, des critères avaient été établis pour structurer l'ordre international et le droit international, comme par exemple que le droit de, de le, pardon, que le fait de provoquer une guerre non euh, illégale était considéré comme le crime des crimes. L'idée était que ce n'était pas la peine de s'attarder sur des détails de l'histoire, pardon pour l'expression, mais que celui qui ouvrait les portes de l'enfer était coupable d'ores et déjà de tous les effets de l'ouverture de ces portes. Et que donc, le, le crime contre la paix, c'était le terme, je crois, qui a été utilisé, était considéré comme, et c'est l'expression du tribunal de Nuremberg, comme le crime des crimes. Ici, nous avons assisté en direct à deux crimes des crimes, dans une totale impunité, une violation du droit international. D'autres choses que le tribunal de Nuremberg avait établies, c'est qu'il ne suffisait plus de dire qu'on qu ne faisait qu'obéir aux ordres, que l'argument ne valait plus rien, que ce n'était plus un argument. Et la troisième chose que le tribunal de Nuremberg a, a établie, pas que la troisième, mais la troisième qui va nous intéresser ici, et c'est un fait très peu connu, c'est qu'un journaliste a été jugé coupable et complice des crimes de guerre, de ce crime des crimes. Un journaliste nazi fut condamné et pendu. Alors, les phénomènes qui sont apparus après ces attentats du 11, du 11 septembre 2001, euh, sont plusieurs. Il y en a deux ou trois qui vont nous intéresser. On pourrait parler de la projection sans phare de la puissance militaire sur des cibles présentées forcément comme des menaces. <laughs> On ne va pas revenir là-dessus. On va se concentrer peut-être sur la multiplication des lois liberticides et du contrôle au nombre de guerres contre le terrorisme, qui deviendra, vous vous en doutez, un terme fourre-tout. On assistera en parallèle à une explosion des services de sécurité au sens large l'armée, la police, les services de renseignement leur explosion en termes de personnel, le nombre de personnes, ils sont maintenant désormais rien qu'aux États-Unis plusieurs millions à travailler dans cette branche de l'industrie, si je puis dire, accompagnés d'une impunité et d'une absence de contrôle qui va croissante, ces services de renseignement eux-mêmes étant entourés par maintenant une myriade de sociétés privées, dont pour la plupart le public n'a absolument aucune connaissance. Et dont une de ces sociétés, notamment, qui comporte quand même 100 000 personnes, se jouera un rôle stratégique, essentiel, clé, je dirais, dans l'histoire de Wikileaks et Julien Assange. On assistera aussi, et cela va nous intéresser, à une opacité de plus en plus grande des pouvoirs, accompagnée d'une surveillance de plus en plus accrue de la population. Dans une sorte de manœuvre complètement contradictoire, où le peuple, lui, et sommé de se dévoiler face aux pouvoirs, eux qui sont censés nous représenter, qui se targuent de pouvoir agir de plus en plus dans le secret. Donc des services de renseignement omniprésents, tentaculaires, des lois liberticides qui commençaient à s'instaurer de partout, mais aux États-Unis en premier, évidemment. Une opacité de plus en plus grande des pouvoirs et, cerise sur le gâteau, un phénomène nouveau apparaît qu'on appellera le journalisme embarqué. C'était quoi le journalisme embarqué C'était une sorte de frénésie mondiale dont les grands médias étaient pris, par lequel les grands médias étaient pris, qui consistait à ne même plus faire semblant d'une neutralité dans une guerre dont la plupart des pays occidentaux n'avaient pas de compte ou de, de, de et où les journalistes se plaisaient à se faire photographier avec des gilets pare-balles à côté des GI. Euh, comme je dis moi de façon ironique, se plaisant à filmer les massacres à travers le viseur des canons de l'armée américaine. La situation, en fait, pourrait se résumer à une chape de plomb qui venait de s'instaurer dans le monde occidental notamment, une sorte de situation de paralysie de l'opposition, une sidération qui s'est répandue à travers tous les pays, les uns après les autres tombant sous le coup de cette phrase menaçante, Si vous n'êtes pas avec nous, vous êtes contre nous. Donc des pouvoirs de plus en plus incontrôlés, des services de renseignement de plus en plus tentaculaires, une presse qui ne faisait plus du tout son travail, pour peu qu'elle l'ait jamais fait, il fallait partir d'un constat et organiser la résistance. Le constat était celui-ci, je vais le citer. À moins d'un changement de cap, la civilisation mondiale sera devenue d'ici à quelques années une dystopie de surveillance postmoderne, à laquelle seuls les plus habiles auront une chance de se soustraire. Autre citation la cryptographie est la forme la plus aboutie de l'action directe non violente. Et une troisième pour la route ceux qui survivent dans la presse traditionnelle sont ceux qui pratiquent l'autocensure. Ce sont des citations d'un jeune Australien, hacker de sa, dans sa jeunesse, mais un gentil hacker, génie informatique, qui est l'auteur de plusieurs euh, euh, programmes de cryptage, qui a des brevets, qui fait partie, je crois, de la crème des crèmes de l'informatique mondiale, qui aurait pu finir milliardaire dans le Silicon Valley aux côtés de Zuckerberg et compagnie mais qui avait comme particularité, c'est quelqu'un qui était tenaillé par les injustices, un terme qui revient très très souvent dans ses interviews, et une obsession pour la vérité et le droit de savoir. Alors la résistance va s'organiser, dans sa tête du moins, il va partir d'un postulat en fait relativement simple, on pourrait qualifier de génial avec le recul, c'est que plus les organisations, les entités de surveillance et de répression, en bref, ces, toute cette structure de pouvoir, de maintien de pouvoir, s'élargit, s'agrandit, plus leur fonctionnement devient occulte et plus les dérives seront possibles et même probables. Pas de compte à rendre, beaucoup de pouvoir égale dérive. Mais en même temps, la presse ne faisant pas son métier, que faire le postulat, il était que plus ces organisations devenaient grandes et plus la probabilité pour qu'il y ait des gens à l'intérieur, comme peut-être comme moi j'ai été à une époque, allait se lever pour les dénoncer ces dérives. Mais, lucide comme il était, pour pouvoir faire ça et pour pouvoir compter sur un tel phénomène, il fallait leur offrir quelque chose. Ce quelque chose était une protection, une façon de pouvoir dénoncer sans avoir à prendre des risques. Il pensera à un site qui s'appellera WikiLeaks. Il fera son apparition vers 2006-2007 et sans, sans, sans vraiment de confirmation, je crois que apparemment ça a été créé en France et que le nom de domaine est déposé chez OVH à Lille. Cocorico les gars. <laughs> Partant du postulat d'un autre postulat, si les guerres peuvent être déclenchées par des mensonges, il est absolument convaincu, Julian Assange, que la paix, elle, peut être préservée par la vérité. Apparaîtra Wikileaks avec un slogan tout simple, We Open Governments, ce qui pourrait se traduire lâchement par Nous rendons le fonctionnement interne des gouvernements plus transparent. Ça, ça pète un peu plus en anglais, mais c'est ça l'idée. Le modèle qui sera proposé sera d'une simplicité enfantine et pourquoi diable, avait, personne n'y avait pensé avant. Probablement parce qu'il fallait quand même une certaine prouesse technologique que seuls les cryptographes et les hackers pouvez mettre en place. Ce modèle est le suivant. Je vais créer un site qui garantit à toute personne qui se connecte l'anonymat de sa connexion. Vous savez peut-être, probablement, que tout ce que vous faites sur Internet est absolument visible par tous ceux qui veulent bien euh, l'examiner ou vous suivre. Là, non. Lorsque vous vous connectez à Wikileaks, on ne sait pas d'où la connexion est effectuée. Mieux encore, si vous appuyez sur le bouton soumettre qui se trouve sur leur site on ne sait pas ce que vous leur avez soumis. il fallait donc un système de ce type pour arriver à monter ce modèle qui allait s'affiner et devenir de quelque chose, quelque chose d'assez précis et ma foi terriblement efficace. l'anonymat des lanceurs d'alerte était une chose cette partie là du travail étant effectuée il en fallait une deuxième. Parce que qui dit anonymat bien, dit bien sûr, n'importe qui peut soumettre n'importe quoi. Alors ce deuxième aspect des choses était garanti par un réseau d'une centaine de journalistes spécialisés dans des domaines divers, euh, bénévoles à travers le monde, en Chine, en Australie, aux États-Unis, partout, qui faisaient partie du projet Wikileaks. Ce réseau-là était destiné à la deuxième étage de la fusée, qui consistait à garantir l'authenticité des documents qui venaient d'être soumis par une source complètement anonyme. La garantie passait par deux étapes. Première étape technique, est-ce que ces documents sont véritablement des courriels ou est-ce que ça a été inventé par un programme Donc une sorte de travail de médecine légale, si vous voulez, sur l'objet lui-même. Est-ce que c'est un vrai objet euh, original ou quelque chose fabriqué de toutes pièces? Ensuite, il y avait un deuxième contrôle qui, cette fois-ci, consistait à croiser les données qui étaient indiquées, l'information qui figurait dans ces documents, et c'est là où les journalistes intervenaient, chacun dans sa spécialisation. On va dire comme ça, choisi au hasard dans mon esprit, des documents sur la guerre au Yémen. Euh, un spécialiste du Yémen va intervenir pour croiser les informations que lui connaissait avec le contenu de ce document pour pouvoir dire et affirmer avec une certitude que ces documents-là étaient authentiques. Pour faire court et pour faire bien, on dira que Wikileaks aura publié dans son existence, depuis son existence, 10 millions de documents. 10 millions. Aucun n'a fait l'objet d'une remise en cause quant à l'authenticité. Donc, les garanties et le modèle de Wikileaks, anonymat, garantie de l'authenticité. Et maintenant, une troisième aspect, c'est la garantie que la, les documents seront publiés. Là, c'est un engagement moral, éthique. À partir du moment où un lanceur d'alerte, malgré toutes les précautions, a quand même pris des risques, eh bien, Wikileaks s'engage à publier les documents pour peu qu'ils représentent un intérêt pour le public. Il faut avoir ces trois éléments à l'esprit, je crois, pour comprendre l'action de Wikileaks dans le futur, dans l'avenir, plus tard, et comprendre leur éthique. Et enfin, il y avait un quatrième élément qui peut paraître anecdotique, mais qui a son importance dans cette affaire, c'est la gratuité. Les documents de Wikileaks sont mis à disposition et offerts à la presse, pas vendus. Wikileaks n'est pas une agence de presse, ne vend pas son information, elle l'offre. Alors le fait est que Wikileaks n'est pas... Et on va débunker certaines légendes urbaines qui n'arrêtent pas de circuler. Wikileaks n'est pas, n'a jamais été, de près ou de loin, une organisation de hackers, de pirates informatiques. On dit souvent pourquoi ne sont-ils pas allés chercher Mais parce que Wikileaks ne va pas chercher. Wikileaks ne pénètre pas des systèmes, ne vole pas, ne trouve pas. Wikileaks attend qu'on lui propose, examine, vérifie l'authenticité. Estime s'il y a un intérêt public et ensuite publie. Point barre. Rien de plus, rien de moins. Le modèle est simple, à l'évidence de la beauté, comme je dis, et c'est sa simplicité qui la rend aussi euh, inattaquable. Efficace Pardon Efficace, mais inattaquable, c'est très bien aussi. <laughs> Wikileaks, soyons brefs, soyons précis, est une organe de presse. Chose d'ailleurs reconnue par la justice US dans l'ordre d'un un juste fédéral, dans les multiples procès que Wikileaks a à travers le monde, partout, pour une raison ou pour une autre, la justice anglo-américaine a reconnu que Wikileaks était un organe de presse, qui est détenu d'ailleurs, le site est détenu par une société de presse qui s'appelle Sunshine Press, qui n'est pas une société occulte, c'est pas Anonymous, dont le siège est basé à Reykjavik en Islande, et dont on connaît les neuf membres du conseil d'administration, figurez-vous. Donc voilà, une opération totalement ouverte, totalement classique, mais appuyée sur une technologie nouvelle, 20e, 21e siècle, le, on va dire le journalisme 2.0, et plus le journalisme à la papa, au camp papa même, du canard enchaîné, par exemple. Une autre niveau, mais finalement, exactement le même esprit. Mais voilà, ce modèle qui permet quoi? Il permet à des initiés de l'intérieur des systèmes, des entités corrompues. On parle bien d'entités corrompues par des entités bienfaisantes. Il ne s'agit pas ici de révéler des baba, mais bien des dérives, des crimes, des malversations. Ces entités-là, la, la possibilité qu'un initié, de façon totalement anonyme, comme j'aurais pu le faire à une époque. Puissent de l'intérieur, avec des documents officiels de l'organisme lui-même, exposer ces dérives, figurez-vous que ça représente une menace existentielle, littéralement. Une menace existentielle pour les pouvoirs corrompus. On venait de changer de non seulement de braquer en termes d'efficacité de publication et de volume, mais littéralement en termes de nature, puisqu'on arrivait là à un degré d'anonymisation. De, de, Jusqu'alors inconnu. Et là, n'importe qui pouvait se donner à cœur joie pour peu qu'il ait une conscience. On verra que dans l'histoire de Wikileaks, et ce sera un point important, que Wikileaks obtiendra des fuites sur lui-même, si je puis dire, des fuites de la société Stratford, donc cette société qui avait 100 000 personnes, qui déterminera la stratégie de tout ce qui va venir. L'histoire que je vais vous raconter de la répression de Wikileaks n'a pas été inventée et improvisée au fur et à mesure que l'histoire avançait, mais elle a bien été établie dans les e-mails, fuités de la société elle-même qui était chargée de mettre en place le plan d'attaque. La dangerosité de Wikileaks ayant été perçue immédiatement par les forces d'en face, la répression aérera été et sera à la hauteur de la menace existentielle. À tel point qu'il sera créé en grand secret, dans un premier temps, jusqu'à ce qu'une fuite <laughs> soit euh, livrée à Wikileaks, la création d'un grand jury secret. Les grands jurys, c'est des, des, des structures qui sont montées pour mener une enquête particulière au pouvoir étendu, extravagant parfois, et des organismes qui peuvent œuvrer dans l'anonymat et le secret le plus total. Vous pouvez être inculpé par un grand jury sans même le savoir. Donc un grand jury sera constitué en secret en plus dans le district est de Virginie. Le district est de Virginie, c'est là où se trouve le siège de la CIA à l'anglais. Ça veut dire que le grand jury, qui est fondamentalement composé d'individus sous la coupole, sous la coupe plutôt d'un procureur, sont des gens qui travaillent pour la CIA ou très probablement pour des sous-traitants de la CIA. Bonjour l'ambiance. Il est sûr et certain, et c'est un constat, qu'aucun condamné passé devant le tribunal Est de Virginie n'a été acquitté de, dans toute l'histoire de ce tribunal. Sera constitué aussi, Wikileaks l'apprendra par une, devinez quoi, fuite, de la création d'une salle de guerre composée de 120 agents affectés à l'opération anti-Wikileaks, ces 120 agents étant eux-mêmes issus des 12 services de renseignement principaux, 12, il y en a beaucoup plus en réalité, des États-Unis. Et Wikileaks sera qualifié d'entité de renseignement hostile, ce qui dans le jargon diplomatique américain constitue euh, un arrêt de mort. Alors Wikileaks apparaîtra en 2006, 2007, vivotera dans un, pendant un certain temps. Euh, se fera remarquer par des révélations sur la corruption au Kenya qui provoqueront des émeutes et le renversement du pouvoir. Déjà une belle opération, si je puis dire. La vérité a fait des, aura fait ses premiers ravages. Mais un des grands points d'interrogation pour Wikileaks, comme pour beaucoup d'ailleurs de gens qui travaillaient dans... Euh, le journalisme d'investigation, c'était une certaine vidéo sur lequel on cherchait à mettre la main dessus parmi d'autres éléments. Hein. Mais il y avait cette vidéo pourquoi En Irak, on savait bien sûr que deux journalistes américains avaient trouvé la mort dans des circonstances pas tout à fait claires. Comme on connaissait le modus operandi de l'armée américaine qui consiste à filmer tout, tout 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 toutes les opérations, il est clair que Reuters par exemple a demandé Comment étaient-ils morts La réponse était ils ont été pris dans un combat et malheureusement, ils ont été tués. Et Reuters demandant ben, est-ce qu'on peut voir les vidéos Puisque vous avez souvent probablement tourné les vidéos. La réponse a été ben, on a perdu la vidéo. Et ben, où c'est qu'elle est, qu est ben, Je ne sais pas, etc. Le directeur de, 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 de l'agence de Bagdad, de Reuters, qui viendra témoigner au procès de Julian Assange, Racontera qu'il n'arrivait pas à se faire à l'idée de ne pas savoir comment ces deux gars, à lui, avaient été tués, qu'il a insisté, insisté, et ils ont fini par retrouver une vidéo qu'ils lui ont montrée. Ah, pas toute la vidéo, parce que vous comprenez, euh, voilà quoi, c'est comme ça. Et donc, il a assisté à quelques, il a visionné quelques secondes de cette vidéo où l'armée américaine lui a montré effectivement une erreur commise par un journaliste qui, vraiment qui n'aurait pas dû faire ça. Avec sa caméra, il s'est accroupi, euh, euh, prenant la posture d'un tireur d'une lance-roquette, et qu'il a été abattu, probablement par erreur, mais voilà, il s'est comporté de façon tout à fait euh, incongrue au milieu d'un combat. Le responsable de l'agence Reuters de l'époque raconte d'ailleurs que pendant des années, il a cru à cette version qu'il en a même voulu à ses gars d'avoir été aussi stupide sur le terrain. Mais voilà-t-il que WikiLeaks. Comme d'autres lance la chasse à la vraie vidéo, la vidéo complète. À l'autre côté de la planète, un soldat, agent du renseignement, officier du renseignement américain dans un bureau à Koweït, qui reçoit tous les jours des dépêches qui lui montrent que ce qu'on racontait sur l'opération de pacification à Bagdad. Sur les opérations d'apport de la démocratie, eh ben en réalité, ce qui se passait sur le terrain, c'était pas tout à fait ça. Il voyait défiler devant ses yeux des crimes de guerre, euh, des chiffres qui n'avaient strictement rien à voir avec ceux qui étaient publiés dans la presse et sur que la terrain, presse relayait fait ça. Euh, gracieusement, si je puis dire, de, toujours dans son rôle de soutien et de, de, <laughs> de non travail journalistique, euh, tentant de Alerter sa hiérarchie se voit intimer l'ordre de, en gros, fermer sa gueule. Le soldat s'appelle, vous l'avez peut-être deviné, Bradley Manning, qui deviendra plus tard Chelsea Manning, et qui ira se confier, prenant d'énormes risques en faisant cela, non pas à Wikileaks, mais au New York Times, qui rejettera platement l'offre de ce soldat de lui donner des informations explosives sur la réalité de la guerre. Voilà le New York Times qui, en toute liberté, cette liberté de la presse, refuse de nous informer en toute liberté, viole notre droit de savoir. Chelsea Manning ne se démonte pas, s'adresse au Washington Post qui lui fait la même réponse. Et pour la petite histoire, je vais ouvrir une parenthèse personnelle. Le seul lanceur d'alerte jamais attrapé qui ait travaillé pour Wikileaks, c'est Chelsea Manning, Bradley Manning. Et je pense que c'est comme ça qu'elle a été attrapée, en commettant deux erreurs fondamentales fondamentale, c'est de s'adresser à la grande presse à, à laquelle elle croyait encore. À mon avis, à peine elle avait raccroché le téléphone que le New York Times appelait le Pentagone pour lui dire « Au fait, les gars, vous savez qu'il y a un soldat là qui est en train de nous proposer des trucs. » Fin de la parenthèse. Wikileaks prendra finalement contact avec, euh, pardon, Bradley Manning, à l'époque, prendra finalement contact avec Wikileaks en leur proposant cette vidéo tant recherchée. Bien sûr, répond Wikileaks dans un chat euh, qui était déjà en train d'être espionné par le FBI ou les services de renseignement américains, euh, est-ce que vous avez autre chose à nous fourguer Cette vidéo deviendra, appelons-le, j'aime bien l'appeler ainsi, la bande-annonce de Wikileaks. Conscient qu'ils avaient mis la main sur quelque chose de très spécial et sur des centaines de milliers de documents que bradley manning allait gentiment leur fournir après tirant ces informations d'ailleurs non pas de documents classifiés mais d'un serveur auquel d'après le procès plus de cent mille soldats avaient accès bonjour la classification ils étaient cent mille à piocher dans un serveur où il y avait à la fois des forums pour faire des jeux des forums pour s'échanger des photos osées et des documents et des rapports de l'armée américaine qui traînaient par là mais cette vidéo, donc, était évidemment une sorte de, de graal. Ils l'ont mis en image, ils ont, enfin nettoyé l'image, ils l'ont sous-titré parce qu'on n'entendait pas, et ils ont publié l'intégralité. C'est là que le directeur de l'agence, Reuters, apprend qu'en réalité, l'histoire n'avait rien à voir et que le Pentagone, l'armée, lui avait tout simplement menti. Vous connaissez cette vidéo où on voit des civils se balader tranquillement. Un hélicoptère leur tourne autour, tellement distant qu'ils ne l'entendent pas, ne le voient même pas. Et commence à leur tirer dessus, en poussant des petits cris de joie. Le journaliste qui s'accroupit avec ses caméras, en fait, ne s'accroupit pas pour filmer, mais pour tenter de se mettre à l'abri. Il ne sait pas trop où se mettre à l'abri, parce qu'ils ne savent pas d'où viennent les, les balles. Il sera gentiment achevé. L'hélicoptère continuera de se balader. Ça, c'est la version longue de collateral murder. Reviendra lorsque les témoins, euh, les, les secours arriveront, et abattra aussi les secours. Euh, en déclarant même, c'est dans l'audio original, c'est de leur faute, ils n'avaient pas, pas à amener les enfants. Nous voilà au cœur d'une problématique qui est courante et constante avec Wikileaks, c'est que si on vous parle beaucoup comme ça en passant de, le, de cette vidéo, si on vous parle comme ça en passant de la publication des documents, euh, faites un effort de mémoire et, et, et demandez-vous combien de fois vous a-t-on parlé du contenu. Car après tout, c'est bien le contenu dont il s'agit ici. En ce qui concerne l'Irak et l'Afghanistan, le contenu était une litanie de mensonges révélés par les rapports intérieurs de l'armée, mensonges sur les chiffres, mensonges sur l'engagement, le nombre de soldats et surtout mensonges sur les crimes et cette guerre de pacification que par ailleurs, nous savions déjà avant que quelque chose n'allait pas. Pour ceux qui l'ont oublié, lorsque les Américains sont rentrés à Bagdad et qu'on nous montrait des images d'Irakiens, de les saluant avec des fleurs, euh, les accueillant comme des héros et des libérateurs, il se trouvait un autre journaliste qui s'appelait José Cousseau, un Espagnol, au balcon d'un hôtel, de l'hôtel Palestine, là où se trouvaient tous les, journaux, euh, tous les journalistes, et qui était un hôtel absolument connu par les forces de l'armée américaine, euh, comme, comme, comme tel, c'est-à-dire le, le lieu où se, se rassemblaient les journalistes. José Cousseau qui filmait les vraies scènes. Vu de l'extérieur et pas en gros plan, eh bien, la tourelle d'un canon s'est retournée, a envoyé un obus et l'a tué et blessé sévèrement d'autres journalistes qui se trouvaient à proximité. Notre droit de savoir, là aussi, était ouvertement et mortellement remis en cause. José Cousseau le paiera de sa vie, bien entendu. Il ne sera pas le seul. Je suis obligé ici de faire un tout petit maintenant retour en arrière. Vous avez compris l'ambiance, vous avez compris le risque existentiel que Wikileaks posait au pouvoir corrompu, et vous avez compris que la résistance s'est organisée très rapidement, avec beaucoup de moyens et une grande détermination. Il fallait écraser l'expérience dans l'œuf, parce que Wikileaks, figurez-vous, est reposé sur une technologie, figurez-vous. Et comme toute technologie informatique, on peut la copier et en faire d'autres. Pourquoi pas Ce qui manquait, eux, ce que Wikileaks avait de plus, c'est cette structure journalistique euh, autour d'elle, de ces journalistes qui devaient autant... participer à l'authentification des documents. Ce n'était pas simplement un site où on publiait des fuites comme ça, qui existait par ailleurs. L'histoire commencera. La contre-attaque, si je puis dire, compte et suivra le plan de Stratford, profitant d'un incident qui se déroulera en Suède, où Julian Assange se rendra pour une conférence. Déjà à l'époque, il vit comme un homme traqué, parce qu'il l'est, euh, changeant de maison tous les soirs, parce qu'il le doit, n'ayant plus de carte de crédit, parce que tous les fonds et tous les financements de Wikileaks ont déjà été bloqués, vivant donc sur la gentillesse de ceux qui voulaient bien y l'accueillir. Il arrive pour une conférence. Julian Assange, à cette époque, nous sommes en 2010, est déjà une sorte de rockstar. Il fera la une de Time Magazine. Il, fera la... Il sera l'homme de l'année pour le monde. Euh... Il aura des rapports sexuels non protégés avec deux femmes qui tenteront de, de l'obliger. À faire un test du sida, de dépistage. Le lendemain matin, elles iront voir la police, puisqu'une des femmes connaît un policier, et le policier leur propose de prendre leurs dépositions, qui ne sont pas verbatimes d'ailleurs, c'est ça qui est déjà étrange. Toujours est-il que ces dépositions ont été rendues publiques, il y a des fuites partout évidemment dans cette affaire, et on constatera de visu. À la lecture de ces rapports, qu'à aucun moment elles ne se payeront ni de violence, encore moins de viol, elles veulent simplement l'obliger à faire passer un test avant de se rendre, de retourner en Angleterre, où des affaires urgentes l'attendaient. À tel point d'ailleurs que Julian Assange apprendra le lendemain matin qu'il est accusé de viol dans un tabloïd suédois. Alors, euh, qu'est-ce qui se passe alors qu'il est toujours en train d'habiter chez une des femmes qu'il héberge. <laughs> Bref, euh, la procureure principale de Stockholm, qui prend l'affaire en main, conclura qu'il n'y a pas d'affaire de viol, que c'est un mot lancé par un tabloïd, clôturera l'affaire, Julian Assange se soumettra au test du sida, il sera autorisé, autorisé je dis bien, à rentrer en Angleterre, tout va bien, fin de l'histoire, croyait-il. Lorsqu'il arrive en Angleterre et que le collateral murder commence à apparaître et qu'il annonce de lui même qu'il y a d'autres documents qui vont être publiés, des centaines de milliers de documents, et pour cela, débordé par le travail de vérification, il fera appel à un réseau de journalistes internationaux, débordé par le travail c'est vrai, il fera appel à eux, mais aussi dans un souci de rendre ces documents absolument extraordinaires et du jamais vu. De leur donner un impact maximum, il propose un partenariat avec tous les grands médias de la planète. On verra Le Monde, Mediapart, Le Spiegel, El País, Washington Post, New York Times, The Guardian en Angleterre, et ils créeront une salle de travail. Nous sommes toujours en 2010, une salle de travail au sein des locaux du Guardian pour cette fois-ci faire un travail d'équipe et compter un peu sur le relais de cette presse qui, euh, friand de cette euh, offre que de, de sources gratuites de cette fontaine de jouvence là qui, qui réhabilite un peu leur image de marque un peu ternie par les années de, de euh, journalisme embarqué euh, se, se jette dessus et publie à tour de rôle à tour de bras plutôt les documents que leur fournit WikiLeaks. C'est publient d'ailleurs tellement à tour de bras que euh, Julien Assange est obligé de les calmer en leur disant mais on peut pas publier les documents il faut d'abord comme ça il faut d'abord les expurger enlever le nom des gens qui y figurent pour éviter qu'il leur arrive quelque chose. Il faut faire un travail de longue haleine, très minutieux, pénible. Mais les journalistes ne l'entendent pas vraiment de cette oreille parce qu'ils sont avant tout à la recherche de ce coup. Voilà le debunking d'un deuxième légende urbaine, comme quoi Wikileaks aurait été des aventuriers balançant comme ça sur Internet des documents. J'en veux pour preuve d'ailleurs qu'on retrouve, puisque l'Internet est une sacrée mémoire, si vous retournez dans le passé et vous vous trompez sur un article publié dans le site des Morning Herald, euh, 2012, novembre, de Assange lui-même, donc nous sommes en 2012, où il se plaint euh, de l'incohérence, de l'inconsistance de ces journalistes qui veulent à tout, à tout prix publier euh, avant les autres pour avoir des scoops. Et c'est lui qui est en train d'expliquer qu'il a l'impression d'avoir affaire à une sorte de cours de récréation, de gamins, de gens immatures qui ne réfléchissent pas aux risques encourus par les gens. J'en veux pour deuxième preuve, c'est qu'il y a un documentaire tourné caméra sur l'époque, à l'époque, à l'intérieur même de cette fameuse salle où ils se réunissaient, par un journaliste australien qui a suivi donc la constitution de cette aventure, si je puis dire, où on voit effectivement Julian Assange passer des nuits blanches lui et ses collègues, pour tenter de trouver des programmes qui puissent effacer automatiquement les noms des gens qui, prennent, qui, qui, qui courraient des risques en cas de publication et, 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 et menant réellement, se livrant réellement à une sorte de course contre la montre pour pouvoir réaliser le travail avant que les journalistes ne s'impatient et publient malgré tout ce qu'il ne fallait pas publier. Parenthèse ici, ben on verra. Et si on verra que les journalistes en question, la plupart de ces journalistes-là dont on parle, présents dans cette salle, ou en tout cas leur organe de presse, pendant les dix années qui suivront, vont réellement et littéralement réécrire l'histoire en essayant, parmi d'autres défauts, de coller donc à Wikileaks cette image d'aventuriers, de hackers qui font n'importe quoi, euh, qui ne respectent pas les, les codes du métier. C'est une expression sur laquelle on reviendra parce que. Elle une certaine importance. En pleine publication, et nous sommes ici à l'apogée de Wikileaks, célébrité mondiale, objet non identifié dans le paysage audiovisuel, une certaine procureure suédoise, Marianne Ny, retenez son nom, l'histoire le retiendra, je crois, proche d'un ancien ministre des Affaires étrangères suédois. Décide qu'elle va rouvrir le cas de Julian Assange. Le rouvrir comment C'est un, une affaire qui a été clos et pour lequel aucun élément nouveau euh, ne s'est présenté. Vous savez peut-être que dans les affaires judiciaires, lorsqu'une affaire est close, on ne peut la rouvrir que s'il y a un élément nouveau. D'ailleurs, je n'ai jamais eu vraiment d'affaire, puisque la procureure principale de Stockholm a dit le mot viol a été inventé par le tabloïd, l'affaire est close. Ah mais Marianne, elle, elle insiste. Elle dit non, non, non. Il y a peut-être eu violence sexuelle. Parce que si j'en vois les, si j'en crois les dépositions des femmes, et ce sera étonnant d'ailleurs de voir à quel point les femmes ont dû donner des dépositions détaillées pour une simple demande de dépistage du sida. Les policiers leur ont carrément demandé de leur décrire leur nuit d'amour, hein, soit dit en passant. Mariani va décider de rouvrir l'enquête, le, mais elle ne veut pas rouvrir l'enquête en réalité, puisque l'enquête est close, mais elle va lancer autre chose. Et c'est là maintenant que la propagande va rentrer en jeu et que l'utilisation, le, le poids des mots et le contrôle du vocabulaire va être une clé essentielle dans cette affaire, elle va jouer un rôle essentiel et va être menée de main de maître, je ne sais pas encore par qui, mais il y a quelqu'un quelque part quand même qui a bien mené sa, sa, sa manœuvre. Elle va lancer une enquête préliminaire. Vous savez ce que c'est qu'une enquête préliminaire C'est un procureur qui se dit, tiens, il y a peut-être quelque chose à faire, il y a peut-être quelque chose là qui mériterait qu'on ouvre un, ouvre un procès. Donc la forme juridique sera simplement une enquête préliminaire, c'est-à-dire que Julian Assange, en fait, n'est accusé formellement de rien. Il ne peut pas l'être dans le cadre d'une enquête préliminaire. Et cette enquête préliminaire, qui normalement, dans le droit suédois, je me suis renseigné, doit durer entre 15 jours et un mois, durera 7 ans. Et pourquoi lance-t-elle une enquête préliminaire Qu'est-ce qu'elle veut exactement ben Elle veut poser des questions à Julien Assange pour une affaire close, aucun élément nouveau auquel il a déjà répondu. On verra même apparaître un avocat d'affaires, affaire, pas un avocat pénaliste, un avocat d'affaires, apparemment un peu véreux si on se cherche sur Internet, qui sera apparemment affecté pour représenter les deux femmes, ce qui est une chose tout à fait inhabituelle et pour ne pas dire complètement dingue, un seul avocat pour deux femmes contre un même homme et qui ira jusqu'à dire, et je me suis trompé dans une conférence précédente, parce que c'est lui qui les dira, pas Marianne, Ni, oui, c'est normal qu'on rouvre l'enquête, parce que parfois les femmes ne comprennent pas ce qui leur arrive. Autrement dit, si nous, on parle de viol, et que les, les femmes, peut-être qu'elles n'en parlent pas, parce qu'elles n'ont pas compris qu'elles avaient été violées. Pardon ouvrons une parenthèse, il y a plein de parenthèses, c'est qu'en droit suédois, des rapports non protégés, même consentants, sont qualifiés. Et j'utilise le terme anglais, je ne parle pas le suédois. The minor rape, viol mineur. Donc le mot, même s'il n'a pas tout à fait la même signification du tout, euh, est quand même utile pour rester, disons, nous, dans la zone crédibilité journalistique, puisque le mot viol y figure, on va pouvoir le reprendre avec euh, une certaine assurance. Marianne, pour poser ces questions, elle fait une chose tout à fait inhabituelle. Elle exige la présence de Julian Assange sur le sol euh, suédois. Autrement dit, elle lui dit, tiens, reviens ici, s'il te plaît. Julian Assange, pourquoi faire? Comme le sketch des inconnus. Ben, bah, je vous le dirai quand vous serez là. Et c'est à peine à exagérer ce que je suis en train de vous dire. Il y a des journalistes suédois qui ont interrogé Marianne Nier en lui demandant pourquoi elle rouvre ou pourquoi elle lance, pardon, une enquête préliminaire alors que rien de nouveau. Elle le répond littéralement, je vous le dirai quand Julian Assange sera là. Julian Assange, qui connaît déjà le programme et le montage qui s'est est préparé en Virginie, la répression dont il fait l'objet tous les jours, puisqu'il est déjà un homme traqué, qui connaît la politique suédoise en matière d'extradition, puisque la Suède a déjà euh, connu une affaire où deux personnes enlevées dans la rue, littéralement, ont été remises aux États-Unis pour y être torturées, la fameuse Suède, oui, la Suède, exige en fait une garantie. Il veut bien se rendre en Suède, mais il faut lui garantir qu'il ne sera pas enlevé. Marianne Ni dit, je ne sais pas de quoi vous parlez, je ne sais pas, ce n'est pas notre affaire ici. Julien Assange propose de répondre aux questions par écrit, procédure tout à fait normale, Marianne Ni refuse. Julien Assange propose de répondre par avocat interposé, Marianne Ni refuse, alors que c'est une procédure tout à fait habituelle. Julien Assange propose de répondre par audio, euh, ou qu'un procureur, ses doigts se, se déplacent, ce qui est aussi une procédure couramment admise et qui a déjà été réalisée plus de quarantaine de fois euh, euh, par des procureurs suédois qui se déplaçaient dans le cadre d'une enquête préliminaire. Le mandat d'arrêt que émettra Mariani, eh bien, figurez-vous qu'il a été trafiqué. Oui, j'affirme, je le dis en public, je le déclare publiquement, que Mariani a réalisé une écriture en faux. Qu'est-ce qu'elle fait dans son mandat d'arrêt elle détourne complètement les propos des femmes en prétendant les citer pour faire passer une, une, une scène décrite comme une simple position du missionnaire, elle le transforme en Julian Assange l'avait plaqué au sol et l'empêchait de bouger, alors qu'elle criait et se gesticulait pour tenter d'échapper à son contrôle, ce qui n'est pas du tout ce que la femme raconte. En. Donc nous avons déjà ici présence, nous, avons, nous sommes ici déjà en présence d'une procureure commet une écriture en faux, qui mériterait rien que pour ça, je suppose. Les poursuites, peut-être la prison, je ne sais pas. Mais il y a autre chose qui est bizarre, et peu de gens réagissent à ça. Peu de gens réagissent à ça parce que, je ne sais pas, nos esprits ont été formatés. J'ai commencé par vous dire, et je le maintiens, qu'un procureur a émis un mandat d'arrêt. Où avez-vous vu qu'un procureur émet un mandat d'arrêt Dans un système judiciaire à l'occidental, on va dire, qui va représenter ça comme un triangle, avec les juges au sommet, à la base, d'un côté il y a la défense, de l'autre côté un procureur. Ce n'est pas le procureur qui décide qu'on va arrêter quelqu'un. Le procureur est là pour diriger les accusations. C'est un juge qui émet un mandat d'arrêt, pas un procureur. D'ailleurs, s'il avait émis son mandat d'arrêt à la France, la France lui aurait dit c'était gentil, vous êtes bien gentil, madame, mais essayer d'obtenir de la part d'un juge d'émettre un mandat d'arrêt et on se fera un plaisir d'arrêter le personnage en question. Ce que Marianne Ni tentera d'ailleurs, mais le tribunal de Uppsala en Suède lui refusera. Alors pendant toutes ces années où on vous a parlé comme ça d'extradition de la Suède, etc., sachez que la justice suédoise, la seule fois où elle a eu à se prononcer dans cette affaire, a décidé qu'il n'y avait pas d'affaire et a refusé à Marianne Ni son fameux demande d'extradition. Alors Mariani a persisté avec son enquête préliminaire en jouant sur les mots avec la complicité de la presse, parce qu'il s'agissait bien de complicité. Je ne peux pas croire qu'un qu qu inconnu euh, se <laughs> illustre comme moi, je ne suis pas le seul dans cette affaire, ait pu mettre le doigt sur ces éléments-là. Donc euh, Mariani lancera un mandat d'arrêt et bizarrement, la justice britannique l'acceptera, contrairement à ce qu'aurait pu ou dû faire la France. Et pour l'accepter, ils vont s'appuyer sur une ambiguïté de la loi britannique, incroyable, à tel point qu'on se demande comment Marianne nee a pu trouver ce trou d'aiguille pour faire réussir son coup. Peut-être que la présence d'un éminent, éminence grise des néoconservateurs, Faucon, Vatanguer, Karl Rove, à Stockholm, à la même époque, y était pour quelque chose. C'est moi qui imagine des choses, peut-être. En tout cas, le coup réussira d'une manière extraordinaire. La justice britannique, interprétant sa propre loi, une forme d'ambiguïté sur qui a le droit d'émettre un mandat d'arrêt, arrêtera Julian Assange. Il sera soumis à un isolement, déjà le pauvre, avant d'être placé pendant les appels de ses avocats en résidence surveillée où il passera presque ou, ouais, presque un an. Si vous avez des doutes sur cette histoire qu'un procureur puisse émettre un mandat d'arrêt traficoté, bah figurez-vous que j'ai avec moi la justice britannique qui me le confirmera lorsque, quelques mois plus tard, tenez-vous bien, la Grande-Bretagne changera sa loi pour faire en sorte qu'une ambiguïté telle ne puisse plus se produire. Et la loi donc sera modifiée. Madame Nye aujourd'hui n'aurait plus le droit d'émettre un mandat d'arrêt, ou en tout cas elle aura le droit de faire ce qu'elle veut, mais en tout cas il ne serait pas respecté. Et la loi sera modifiée pour faire en sorte de ne plus être servie, les mandats d'arrêt que servis par un juge. Vous allez me dire, euh, normalement, vous devriez me dire, eh bien, puisque la loi d'un seul coup est modifiée et favorise l'accusé, Julian Assange devrait bénéficier de la rétroactivité. Hein vous, avez, vous avez arrêté dans le cadre d'un mandat d'arrêt, le mandat d'arrêt n'est plus légal, vous êtes donc libre. Pas du tout. La justice britannique décidera, glissera dans la réforme une clause de non-rétroactivité, non sans avoir passé le dossier de Julian Assange en priorité. Donc, il est arrêté sur la foi d'un mandat d'arrêt qui sera peu de temps après déclaré illégal de par sa forme et cette loi sera déclarée non-rétroactive. On se demande qui est le visé, je vous rassure tout de suite, dans les milieux autorisés, dans les milieux juridiques la clause de non-rétroactivité est qualifiée littéralement de la clause Julien Lassange. Donc c'est bien pour lui, en tout cas tel que c'est ce que, ce que comprennent tout le monde dans le milieu juridique, c'est bien à cause de lui et contre lui que cette clause a été introduite. Il y avait, Nous sommes donc en présence d'une manœuvre réellement sophistiquée, une connivence avec des complicités euh, assez incroyables. Euh, qui aujourd'hui mériterait quand même d'être exposé pour ce qu'ils sont, la corruption fondamentale d'un système juridique de A jusqu'à Z, d'un système judiciaire pourtant pas d'un appareil judiciaire euh, la confirmation claire, nette et précise de tout ce que je viens de dire viendra quelques années plus tard sous la plume de Stefania Marizzi, qui est journaliste à La Repubblica, qui est l'équivalent du Figaro en Italie, qui est une journaliste d'investigation, une des rares, qui réussira à mettre les mains sur les courriers échangés entre les procureurs britanniques et suédois. Où les procureurs britanniques enjoignent les procureurs suédois de ne surtout pas laisser tomber l'affaire, leur, qui leur disent littéralement je traduis, ouvrez les guillemets, ne vous dégonflez pas. Fermez les guillemets. Il y a donc un, un complot euh, euh, entre les, euh, les, les, les procureurs pour une affaire qui sera déclarée par les procureurs britanniques. Ceci n'est pas une affaire normale. Le pire, c'est que le traficotage du mandat d'arrêt par Mariani sera reconnu par le tribunal d'appel de la Grande-Bretagne dans le paragraphe 95 de leur jugement. Ils reconnaissent, oui, Marianne Nie, ouais, c'est pas tout à fait ça. Elle a, mais bon, ils jugeront quand même que le mandat d'arrêt, qui, qui sommes-nous pour juger de la validité de ce que Mme Nie raconte Nous allons quand même déclarer le mandat d'arrêt comme valable. Donc, j'ai en fait moi, euh, la justice britannique elle-même, qui confirmera mes dires. Wikileaks, pour autant, continuera ses révélations, mais Julian Assange a quand même entendu le bruit. Du piège, les mâchoires du piège à loup se refermaient sur sa jambe, si je puis dire. Il a compris qu'une un, manœuvre était en cours à laquelle il n'allait pas pouvoir échapper comme ça. Euh, Qu'est-ce qu'il fait Il met une perruque, littéralement, prend une moto, se réfugie à l'ambassade d'Équateur. L'asile lui sera accordé sur des bases juridiques et non pas par un anti-impérialisme primaire de Corée. Elle sera bizarrement entourée 24 heures par 24 par la police britannique. Des caméras de surveillance de l'ambassade seront complémentées par des caméras de surveillance de la police britannique. On saura plus tard que des centres de surveillance seront montés dans les appartements en face où seront installés des caméras, laser, euh, oui, des micros lasers pour pouvoir écouter à travers la vitre. Et dans cette ambiance dans une toute petite ambassade qui ne faisait que 70 mètres carrés où Julian Assange restera pratiquement huit ans, il réussira l'exploit de faire continuer à faire vivre Wikileaks, mais aussi de même organiser la fuite d'Edward Snowden, le grand lanceur d'alerte qui, est caché à Hong Kong, est traqué par la CIA et risque d'être coincé d'une minute à l'autre. Il envoie son assistante, la plus proche, Sarah Harrison, prendra un billet d'avion, euh, mènera l'opération pour faire fuir Edward Snowden de, de Hong Kong. Euh, le projet n'aboutira pas complètement. Parce que les Américains, ayant eu vent de la fuite, euh, annuleront en plein vol le passeport de Edward Snowden, qui sera bloqué lors d'une escale à Moscou. Manœuvre d'ailleurs très intelligente de leur part, puisqu'aux États-Unis, Edward Snowden est allé se réfugier en Russie, ce qui n'avait jamais été son objectif, et, mais ils avaient réussi leur coup de propagande. Il restera plus de 40 jours, je crois, dans la zone de transit, parce que les Russes hésiteront beaucoup à l'accueillir. Il aura finalement l'asile. Edward Snowden, doit sa vie à, à Julian Assange et à Wikileaks. Nous sommes ici en plein roman policier, c'est vrai. Voilà-t-il pas Est-ce qu que tu peux de... nous décrire un petit peu la vie dans l'ambassade Ouais. Ah, ouais. Est-ce que tu peux nous décrire dé un petit peu la, la vie dans l'ambassade Parce que c'est ouais, pas nécessairement bien connu de ce que c'est l'ambassade. On a vu quelques photos, mais de l'extérieur, est-ce que tu peux nous décrire ce qu'il y avait dedans, comment ça se passait, etc. Ah ben, on peut vous décrire ce qui est temps, parce qu'on verra plus tard que l'espionnage de la vie d'Assange a été constant. Moi-même, j'ai jamais mis les pieds, euh, je ne peux que vous rapporter ce que j'ai entendu. C'est une toute petite ambassade, c'est un appartement transformé en ambassade. Donc, j'allais dire que le confort, quand on y est enfermé 24 heures sur 24, qu'on ne voit pas la lumière du jour, qu'on ne peut pas prendre l'air frais parce que Julian Assange craint réellement s'il se met au balcon d'être kidnappé. Euh, pendant presque un an, d'ailleurs, il y a des gens qui ont campé de la solidarité jour et nuit devant l'ambassade pour protester, jour et nuit, littéralement. Des copains à moi belges, euh, un couple formidable, sont même allés lui construire un, un Australien farouche qui restait devant l'ambassade, qui dormait devant, Alors, sont allés lui construire un petit abri euh, quand l'hiver est arrivé. Euh, la vie à l'ambassade était euh, bah, euh, le militantisme. Euh, euh, Julian Assange continue à recevoir beaucoup de monde. Beaucoup de monde, d'ailleurs, on profite pour en montrer des images d'eux-mêmes, en compagnie de Julian Assange, n'est-ce pas? Et d'après tous les témoins de l'époque, de cette équipe-là, de ce personnel-là, les, les relations étaient tout à fait cordiales. Et Julian Assange, décrit par tous comme un homme charmant, gentil, respectueux, discret. C'est important parce que c'est à cette époque-là que commence la campagne de dénigrement, qui sera d'une violence que je considère comme incroyable. Euh, Julien Assange sera accusé par le Guardian, ancien partenaire de Wikileaks, par une journaliste du Guardian, de Hétron, par exemple. C'est marrant d'avoir autant de courage et de venin dans ces termes pour un homme traqué par douze agences de renseignement américain, un peu seul, un peu abandonné, dans une toute petite ambassade d'un tout petit pays. Ah, le jour où les mêmes ces mêmes journalistes oseront traiter des troncs euh, Bush ou euh, Tony Blair, je crois qu'on aura fait un grand pas dans le journalisme moderne. Euh, bref, la, parmi cette campagne de presse, on verra par exemple euh, Luc Harding. Non, pas Luc Harding, c'est une autre affaire. Euh, on se moquera de lui en racontant qu'il a choisi une ambassade en face du grand magasin de luxe à Rhodes pour probablement bénéficier euh, des plats gratuits qu'on lui faisait passer. Euh, alors qu'en réalité, Julian Assange était déjà malade. Il souffre d'une condition, d'une maladie pulmonaire. Euh, il ne pouvait pas se faire soigner puisqu'on lui refusait les couloirs humanitaires accordés à des dictateurs comme Pinochet en leur temps. Euh, peu de médecins osaient venir le voir. Il y en a plusieurs qui ont témoigné qu'ils avaient peur pour leur carrière. Il avait un problème euh, osseux à l'épaule. Euh, il avait non, il a, puisqu'il n'a jamais été soigné depuis dix ans. Et il avait une dent cassée après avoir, être tombé sur des billes de métal glissées dans sa nourriture. Et il a dû donc lui-même préparer sa nourriture liquide euh, pour éviter de recommencer, puisqu'en plus, il n'arrivait pas à se faire soigner. On sent confusément donc que sa vie n'était pas un long feu tranquille à l'intérieur de cette ambassade et qu'il devait en plus mener le sauvetage de Edward Snowden et la continuation des fuites de Wikileaks alors qu'il était surveillé 24 heures sur 24. C'est une opération phénoménale de la part de la police britannique qui a coûté des dizaines de millions de livres sterling pour quelqu'un qui finalement qui n'avait accompli aucun geste violent, qui n'était euh, euh, en fait accusé formellement de rien, accusé formellement. De rien, mais quand même qu'ils ont entouré l'ambassade en promettant de l'enlever. L'Équateur de Coréa a tenté tout ce que pouvait tenter raisonnablement un petit pays comme ça. Ils lui ont accordé la nationalité équatorienne, ils lui ont, ils ont nommé euh, diplomate pour lui accorder l'immunité diplomatique et en totale violation des conventions de Genève, la Grande-Bretagne a dit on s'en fiche de son immunité diplomatique, euh, on vous le répète, on vous l'a dit, on vous le répète, s'il sort, on l'arrête. <laughs> Victor, est-ce qu'on euh, peut évoquer aussi euh, l'épisode de l'avion de Coréa qui a été euh, mis au sol, fouillé? Euh, pas Corée. C'était pas, pas, pas Corée, c'est euh, euh, celui de la Bolivie. De la Bolivie. Euh, ça c'était, euh, ça pour Snowden, ça pas pour. Ah d'accord, c'était pour Snowden. Excuse-moi. Euh, c'est, on croyait que Snowden s'était échappé dans l'avion de Evo Morales. Ah oui. Euh, et euh, et l'Europe a, a dévié, refusé l'atterrissage de l'avion du président de la Bolivie pour euh, complaire euh, aux Américains. Je crois qu'ils ont finalement attiré en la Vienne et euh, l'avion a été fouillé. Il n'y avait pas d'Edward Snowden dans l'avion. Mais c'était euh, le précédent Bolivie. Ah, mmh, ok, désolé de la, conf la confusion. Euh, donc euh, Assange, il vit... Euh, il, et, à, à, pendant ce temps-là, euh, il ne faut pas croire que les choses sont restées euh, euh, immobiles. Euh, il y a des commissions de l'ONU qui ont pris position pour Assange en déclarant sa détention illégale. En exigeant des indemnités de la part de l'Angleterre, autant de déclarations qui pouvaient donner des bouffées d'espoir à Julian Assange, qui les annonçait avec un sourire sur le balcon par des mini conférences de presse improvisées, et qui étaient aussitôt rejetées par l'Angleterre par un haussement d'épaules en disant s'il sort, on l'arrête. Euh, le gouvernement de l'Équateur va changer, un autre président sera élu figurez-vous que ce n'est pas n'importe qui, c'est le vice-président de Coréa lui-même. Lorsque Lénine Moreno, vice-président de Coréa, est élu, il n'y avait aucune raison de penser que la politique allait changer, puisque c'était le vice-président de Coréa. C'est opéré une, euh, quelque chose de très étrange, jamais vu à ma connaissance, en Équateur. À peine entré en, dans ses fonctions, Lénine Moreno retournera complètement sa veste sur tout les programmes intérieurs, les promesses électorales, il lancera même une répression contre les membres de son propre parti, évidemment, recevra la visite de tas de gens importants des États-Unis qui lui susurreront à l'oreille qu'un prêt de plusieurs milliards du FMI serait possible si éventuellement il pouvait leur donner un coup de main sur une affaire qui commençait à empoisonner un petit peu tout le monde. L'élu Moreno, donc, virera tous les employés. De l'ambassade, les remplacera par des nouveaux qui seront chargés, eux, de mener la vie dure à la Julian Assange. L'idée étant, si on arrivait seulement à le convaincre de sortir volontairement en lui pourrissant un maximum la vie, ça nous facilitera la tâche. Parce que pour expulser un réfugié, quelqu'un qui a l'asile politique, un citoyen euh, équatorien, qui plus est, il fallait violer quelques articles de la Constitution. Lénine Moreno, à mon avis, n'y était pas encore prêt, mais il allait le faire. Qu'est-ce qu'ils ont fait ben, Ils ont commencé par lui limiter les visites. Ils ont commencé par mener une campagne où Lénine Moreno, figurez-vous, dans une conférence de presse, accuse Julian Assange d'étaler ses excréments sur les murs de l'ambassade. Affirmation du président de l'Équateur relayée par la presse elle-même. <laughs> on ne saura, on saura que plus tard, et lui-même, d'ailleurs, à mon avis, ne l'a appris que plus tard. Puisque euh, Assange était espionné 24 heures sur 24, qu'on nous montre les images. Mais ça, c'est des parties de cette histoire qui sont tombées un peu dans les oubliettes, mais qui ont quand même participé à la destruction du personnage de Julien Assange. Euh, euh, ah, ils couperont le chauffage dans sa chambre en, en hiver. Euh, Qu'est-ce qu'ils font encore euh, D'après les témoins de la journaliste Cassandra Fairbanks, qui sera, je crois, l'une des dernières à lui visiter, il, il, dormira sur un lit. Seul. il a plus de lit. Il doit dormir sur un sorte de matelas de yoga, un truc comme ça. Plus de chauffage, plus de lit. Euh, L'ambiance à l'ambassade devient très tendue. Il ne peut plus se déplacer sans tomber, on est en ayant 70 mètres carrés, sans tomber sur quelqu'un qui lui est farouchement euh, opposé. Bref ça commence à chauffer pour lui et devient assez difficile pour lui de vivre et participera probablement à la, à la destruction psychologique du personnage. En novembre 2018, apparaîtra sur le site du Guardian un article essentiel, inventé de toutes pièces. Oui, messieurs, dames, la grande presse peut faire du fake news euh, volontairement. Un article signé par Luc Harding, encore lui, tiens, bizarre, qui publiera un article prétendant... Que Julian Assange a reçu la visite de Paul Manafort, un proche de Julian Assange, de Paul Manafort et de certains Russes. Ils iront jusqu'à décrire la couleur du pantalon de Paul Manafort. Paul Manafort est un proche de l'ambassade le plus surveillé au monde. C'est un proche de À l'intérieur, il n'y a aucune trace, évidemment, de quelconque visite, mais peu importe. Euh, le Guardian, qui n'a jamais voulu commenter cet article, mais n'a jamais voulu non plus le retirer. Cet article servira, en fait, comme base d'appui à des sénateurs et des membres du Congrès américain pour exiger de la part de l'Équateur hein, l'expulsion de Julian Assange en s'appuyant sur devinez quoi, des articles parus dans la presse. Euh, il s'agit à l'évidence d'une manœuvre auquel s'est soumis Luke Harding. Je vous donne la justification en créant un article bidon pour que vous puissiez euh, monter de toutes pièces une affaire faire pression un peu plus sur l'Équateur et donner à l'opinion publique une certaine euh, image, une certaine régularité dans une affaire qui aurait qui aura été irrégulière de, de bout en bout en réalité. <coughs> Petite parenthèse, Luc Harding, je, dont j'ai cité le nom, se, 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 sera déjà connu, se s'est fait connaître il y a quelques années auparavant en étant l'un des premiers à travailler avec Wikileaks, puisqu'il était un grand reporter du Guardian et étant aussi l'un des premiers à se dépêcher de publier un livre, un livre dans lequel un des chapitres, dans un des chapitres du livre, figurera un titre complètement bizarre, que peu de gens comprennent ce qu'elle fait là, ce qu'il fait là, et ce titre est composé d'une longue phrase accompagnée de points d'exclamation, de araoubas, de dièse, mince, diront certains, on dirait un mot de passe, mince, diront les esprits affûtés, serait-ce le mot de passe que Julian Assange a confié aux journalistes pour accéder à toutes les archives de, de Wikileaks, euh, y compris les non expurgés, c'est-à-dire les données brutes. Voyons voir, se sont dit certains. Et effectivement, cet abruti de Luke Harding, dans son livre, probablement fait exprès maintenant qu'on connaît le personnage et son habitude d'écrire de faux articles, euh, publiera le mot de passe d'accès total à toutes les archives et Wikileaks. En, en fait, Wikileaks sera hacké si vous voulez. Quelque part. Et les documents seront pu, euh, publiés dans leur totalité un peu partout dans le monde, notamment par un site qui s'appelle cryptome.com, qui se fera un plaisir de les publier bruts tels tel, tel, tel qu'ils étaient. C'est un détail important parce qu'encore une fois, on accusait Wikileaks de balancer sous sur Internet alors qu'en fait, Wikileaks a été victime d'une euh, hein, inattention, on va dire, soyons polis de la part d'un journaliste qui par ailleurs fera preuve de beaucoup 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 de sens d'opportunisme dans l'affaire assange luc harding d'ailleurs le directeur du site cryptome dont je parlais viendra témoigner au procès d'assange alors que les américains accusaient wikileaks lors du procès de balancer les documents et dira oui oui oui, oui c'est moi qui les ai publiés en premier nananero, et je suis états-unien alors personne ne vient lui chercher des poux dans la tête pour exactement les mêmes documents. En fait, ce que Wikileaks a fait, on le voit dans un document, Julian Assange a littéralement tenté d'alerter les autorités américaines pour leur dire qu'une fuite majeure avait eu lieu et que qu'ils pouvaient faire pour les aider. Ces appels n'ont jamais été pris. À Wikileaks, dans une tentative pour essayer de sauver la mise, de sauver les meubles, euh, étant donné que les documents avaient été publiés en totalité, en intégralité, mais sur des sites relativement peu connus, une, connus uniquement des milieux du renseignement et des spécialistes du genre, euh, basé sur l'idée que Wikileaks était quand même mondialement connu à cette époque-là, décide de faire, de publier lui aussi, la totalité, espérant ainsi, écoutez-moi bien, espérant ainsi alerter les personnes qui étaient mentionnées dans les documents. Parmi les légendes urbaines, on continuera pourtant à répéter encore et encore que Wikileaks a mis des vies en danger alors qu'en fait, Julian Assange et Wikileaks ont essayé tout ce qu'ils ont pu pour protéger les vies. Et que la mise en danger a été, a été réalisée principalement par un journaliste lui-même. Bon, le 10 avril 2019, une date clé dont vous n'avez jamais entendu parler puisque la presse libre, en toute liberté, a décidé de ne rien vous dire. Le 10 avril 2019, Wikileaks tiendra une conférence de presse accompagnée du vice-consul de l'époque de l'ambassade d'Équateur et de l'avocate Robinson, la blonde qu'on voit souvent à ses côtés, de Julian Assange quand il était encore en liberté. Il révèle qu'une énorme opération d'espionnage avait été réalisée à l'ambassade d'Équateur par la société de surveillance chargée de protéger l'ambassade. Les Américains avaient réussi à retourner le responsable de cette société. Ces sociétés avaient monté des serveurs parallèles, transmettait en direct toutes les images, euh, vidéos, photos, euh, des micros avaient été posés de partout. Depuis un an, Julian Assange était absolument surveillé dans ses moindres faits et gestes. Le scandale a éclaté parce que certains employés de cette société UC Global en Espagne ont cru bon d'essayer de vendre ces images et de faire un chantage auprès de Wikileaks qui alertait la police et les gens ont été arrêtés. La, la date est importante <coughs> Parce qu'un, elle a révélé la violation des privilèges clients-avocats puisque tous les dossiers, toutes les conversations des avocats, des médecins, des amis, avaient été euh, enregistrés. Que les téléphones portables des journalistes qui venaient le voir avaient été ouverts et leurs numéros de série relevés pour pouvoir les espionner. Que bizarrement, la seule journaliste qui a été victime de ça s'appelle justement la Stefania Marizzi, elle a publiquement interpellé tous les autres journalistes qui savent qu'ils ont été hackés, savent qu'ils ont été piratés, Puisque maintenant on le sait, qui ne pipent pas un mot et ne protestent en rien du fait qu'ils étaient euh, euh, piratés par la société de surveillance euh, de l'ambassade. Euh, on est là déjà en présence d'une sorte de connivence ou d'une volonté de ne rien dire, de ne pas soulever des vagues qui est assez incroyable. Je ne crois pas que ça aurait pu se produire dans une autre situation, mais fin de ma petite parenthèse. Cette date du 10 avril 2019 me paraît importante. Parce que ce qui aurait dû provoquer un choc, ce qui aurait dû être une bombe larguée euh, dans les informations, aura été étouffé. Et je me demande parfois si ça n'a pas été fait exprès, parce qu'il s'est passé le lendemain. Le lendemain, Julian Assange est arraché de l'ambassade. On le verra hirsute blanchi, euh, criant euh, au reste du monde de continuer le combat, euh, jeté dans un fourgon, il sera emmené devant un tribunal où le juge Taylor en 15 minutes montrant en main dira de lui que vous êtes un narcissique incapable de voir au-delà de votre propre intérêt, demande ce que fait cette phrase et le condamnera. Oops, pause. Rappelez-vous, Julian Assange n'est formellement accusé de rien jusqu'à là. Ah, il a violé les conditions de liberté sous surveillance. Ah oui, c'est vrai, c'est pas bien ça. Généralement en Angleterre, c'est une petite tape sur la main. Un, le cas d'un assassin euh, qui avait pris la fuite et qu ont remis la, euh, sur qui ils ont remis la main, lui sera condamné à six mois. Julien Assange en 15 minutes, montre en moins sera condamné à cinquante semaines, le maximum. 50 semaines, pas n'importe où, de façon incroyable. Il sera condamné à 50 semaines dans une prison de haute sécurité, le Guantanamo britannique, et sera mis en isolement. Pendant ce temps-là, à l'ambassade, toutes ses affaires seront confisquées, ses affaires personnelles, ses agendas, ses photos, ses ordinateurs, ses téléphones, que j'espère qu'il a effacés avant, et même ses lunettes, et tout sera remis aux États-Unis, au FBI et à la CIA notamment. Euh Julien Assange restera en prison jusqu'à ce jour et à partir du mois de septembre 2019 est libérable en fait euh, parce qu'il aura accompli la moitié de la seule peine auquel, à laquelle il a été condamné. Et en fait, Julien Assange, pendant de longs mois dans une prison de haute sécurité, euh, sera un détenu en préventif. <laughs> en mai 2019... La Suède abandonne les accusations qu'elle avait déjà abandonnées en 2017 parce que je viens de trouver des articles, je dis mais combien de fois ils ont abandonné les accusations Rouvert, abandonné, rouvert. J'ai compté trois fois. Trois fois, Marianne Ni a dit je laisse tomber, ah non je reprends, je laisse tomber, ah non je reprends, je laisse tomber, ah non je reprends. Euh, elle abandonne les accusations de façon tout à fait opportun. Pourquoi Parce qu'en en scène, le véritable acteur de toute cette farce, planqué derrière les rideaux de la scène. Quand on voyait quand même le bout des chaussures dépasser des rideaux, arrive triomphant les États-Unis d'Amérique en disant, Tadam, ça tombe bien, on a une extradition à demander pour ce gars. Julian Assange recevra, ou plutôt sera accusé par les États-Unis de 17 plus 1, 18, donc chef d'inculpation. Sous la loi Espionnage Act de 1917, une loi qui a plus de 100 ans et qui n'a jamais été utilisée contre des journalistes américains, a fortiori jamais contre des journalistes étrangers, qui lui font risquer gros, probablement, globalement, on dit 175 ans de prison, sinon la peine de mort. Cette loi est très particulière parce qu'elle signe votre arrêt de mort devant une justice dans le sens où vous n'avez droit à aucune défense, pour, pour ainsi dire. Euh, vous n'avez pas le droit d'invoquer les raisons de votre acte. Et toute personne impliquée directement ou impliquée qui aurait même simplement, et je cite, pris connaissance des documents incriminés est considérée comme complice. Ce qui est fort de café, parce que pris à la lettre, cette loi dit si vous avez lu les documents révélés par Wikileaks, vous êtes coupable. Je dis bien si vous les avez lus. Ah, on imagine que là, les, la justice américaine peut se donner à cœur joie. Euh, Entre-temps, on verra le Covid-19 arriver. Et les, euh, la Grande-Bretagne euh, procédera à un allègement des détenus dans ses prisons euh, pour essayer d'éviter donc le, la pandémie. L'idée étant de libérer les gens pas condamnés ou condamnés à des petites peines non violentes. Bizarrement, évidemment, en, alors que Julian Assange est proposé, il lui sera répondu par la mystérieuse juge Vanessa Barretzer qui prendra tout au long de cette affaire des positions extrêmement bizarres. Aura cette réponse qui méritait d'être gravée dans le marbre, et que je vais vous citer textuellement de mémoire parce que maintenant je le connais par cœur. Julien Assange ne purge actuellement pas de peine, il n'est donc pas éligible pour être libéré. Généralement, je la répète parce que les gens me disent qu'est-ce qu'il nous raconte, celui-là. Julien Assange ne purge actuellement pas de peine, il n'est donc pas éligible pour être libéré. Et pendant toute la procédure qui amènera jusqu'au procès réel, on assistera à des audiences techniques, c'est une obligation dans les extraditions, tous les 28 jours, et on verra des choses complètement inouïes. Que Julian Assange, qui est le seul détenu en préventif dans une prison de haute sécurité, donc pas condamné de quoi que ce soit, doit préparer son, avoc, son, son procès. C'est un détenu en préventif, il doit avoir des communications avec ses avocats qui lui seront refusées. Covid oblige aussi, mais même par téléphone. Il euh, y aura une période où il n'aura pas eu vu ses avocats pendant huit mois. On finira par la pression de la solidarité de lui obtenir un ordinateur. Ah, un ordinateur pour Julien Assange. Chouette, chouette. Et on apprendra plus tard que l'ordinateur lui a été livré avec les touches collées avec de la colle et avec la souris qui fonctionnait. On lui refusera une radio. On lui confisquera les dossiers qu'il aura réussi à ramener avec lui quand même ou constitués entre temps. On constatera qu'il n'est toujours pas soigné, que ça fait maintenant dix ans qu'il n'a pas vu la lumière du jour, qu'il n'a pas reçu de soins pour ses poumons. Et comme par hasard, en l'époque du Covid, c'est un danger extrême pour lui, qu'il n'est toujours pas soigné pour ses dents, qu'il est devenu dépressif et que le rapporteur des Nations Unies, qui s'est emparé de l'affaire après avoir hésité, accompagné de deux médecins professionnels, ont constaté, déclaré, affirmé, écrit, multiples fois, tenté d'alerter l'opinion publique. Julian Assange a été soumis à des tortures psychologiques intenses pouvant entraîner la mort. Sa condition est probablement une, en partie irréversible. Le procès sera fixé au 7 septembre 2020. Tous les procès et audiences intermédiaires se verront passer des choses aussi bizarres que je viens de vous expliquer. Julien Assange, par exemple, lors d'une des audiences, euh, lorsqu'on lui demandera son nom et sa date de naissance de façon routinière, hésitera et trébuchera sur les mots. Il ne se souvenait plus de son nom et de sa date de naissance. Il sera enfermé systématiquement dans une cage en verre lors de chaque audience comme un terroriste dangereux, d'où il ne peut pas communiquer avec les avocats que par ailleurs il ne peut pas rencontrer, ou s'il tente de communiquer avec eux en parlant à travers le vitre, les procureurs américains qui sont assis entre lui et ses propres avocats entendent tout. Alors, le procès est fixé au 7 septembre. Je vais vous faire grâce de tous les détails de cette période qui a été terrible à uh, jalonné d'irrégularité, de vices de forme, à uh, ridicule, dans tous les sens du terme. Uh, le le procès donc, je le répète, étant fixé au 7 septembre, les Américains font un coup d'éclat dont les médias ne vous parleront pas, ne vous ont à peine parlé, plutôt, en toute liberté. Uh, au fin août, mi-août, ils changent le chef d'accusation. Ils arrivent avec des superseding indictments, comme ils appellent ça, de nouvelles accusations. Julien Assange n'est pas accusé d'espionnage. Il est désormais accusé d'être le chef d'un réseau international de hackers qui contrôlerait euh, des organisations comme euh, Anonymous. Bref, euh, on est en train de parler d'autres choses. C'est un peu embêtant, ça, parce que les témoins de la défense, eux, ils ont déjà euh, témoigné par écrit depuis le mois de février. Arrive le procès et on va voir qu'on euh, est en train de leur poser des questions qui n'ont rien à voir avec les accusations formelles apparentes. Bien sûr que la défense demande un, euh, de repousser le procès, chose que la juge Vanessa Barretzer, dans sa logique habituelle, refusera de faire. On verra quelque chose d'aussi incroyable arriver pendant le procès. J'arrive à la fin de mon histoire. C'est que les Américains en plein procès vont encore changer, une troisième fois, de chef d'inculpation. Apparemment, ils ne sont pas très sûrs de quoi ils vont réellement accuser Julian Assange parce qu'ils espèrent ou ils craignent plutôt de tomber. Dans un travers qui risque de leur coûter l'extradition. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Pourquoi L'accord d'extradition entre la Grande-Bretagne et les États-Unis proscrive une extradition dans le cas d'un crime politique ou d'un délit politique et en cas de mauvais traitement euh, comme la peine de mort ou torture dans le pays de destination. Alors, l'espionnage, notamment, est un acte éminemment politique. Je suppose qu'ils sont 18. On l'accuse d'espionnage, alors que l'espionnage est un acte politique. Quelqu'un pourrait dire, un juge pourrait dire, mais c'est des raisons politiques, ça, on peut pas l'extrader. Non, on va parler d'autre chose alors. Et on verra que pendant ce procès de... organisé dans le Hall Bailey, qui sera littéralement organisé de telle façon à se passer à huis clos. Je crois que c'est une première en Occident, le huis clos étant organisé de cette façon-ci. Covid-19 oblige, d'abord la salle d'audience sera euh, fermée. Est réservé uniquement à cinq personnes sur 80 sièges prévus. Il y aura les avocats, bien sûr, les procureurs américains, la juge, mais le public, cinq personnes. John Shipton, le père, euh, John Pilger, un journaliste australien mondialement reconnu, Stella Morris, la mère de ses enfants de Julian, et Craig Murray, le diplomate anglais très proche de la famille, qui fera, grâce à Dieu, un compte-rendu euh, de notre prix à la main pour que nous puissions savoir. Qu'est-ce qui s'est réellement passé dans ce salle d'audience euh, Bien entendu, Covid 19 oblige, la juge fera semblant d'organiser dans une pièce annexe une liaison vidéo pour que les journalistes puissent venir assister de loin dans une autre ambiance au le procès. Mais à ce procès-ci, à cette audience officielle, le vrai procès se passera ce qui s'est passé pendant tous les 28 jours depuis un an et demi dans toutes les autres audiences. Il y a quelque chose qui ne va pas avec les informaticiens qui bossent dans l'appareil judiciaire anglais. Pas une seule audience n'a pu être faite dans des conditions correctes. Quand ce n'est pas le son qui est coupé, c'est l'image. Quand ce pas l'image, ils sont connectés à la mauvaise salle d'audience. Quand c'est la bonne salle d'audience, il y a une sorte de grisillement et on ne comprend rien où c'est entrecoupé. Bref, de façon euh, bizarre, euh, une fois, deux fois, trois fois, à la quatrième, je pense qu'il y avait des gens à se faire virer, mais à, même à, dans, au cœur de Londres. Dans le plus grand tribunal de Londres, apparemment, ils sont incapables pendant 14 jours d'assurer une liaison vidéo dans la pièce d'à côté. Il faudra un jour leur parler de Discord, ça a l'air de marcher mieux. On verra même des choses bizarres se passer puisque les témoins doivent témoigner à distance, Covid oblige, euh, par écran. Donc, on verra à une audience euh, l'image s'interrompt et on verra apparaître Donald Trump en train de parler d'Edward Snowden. Confusion générale dans la salle. On coupe tout. Les journalistes n'entendent plus rien pendant des heures et des heures, alors que le procès continue. C'est vraiment une un cinéma incroyable. Et les seules brides de tout ça, nous les avons grâce à Craig Murray, dont j'ai fidèlement traduit le matin ce que lui écrivait en anglais la nuit, et nous avons tout publié sur Internet. Au cours de ce procès, nous verrons débarquer des personnalités incroyables. Euh, euh, une, une, une ribambelle de journalistes d'investigation, des anciens directeurs de prison. Euh, le, le, la juge Barretzer Barretze tentera littéralement de refuser les témoignages oraux, euh, mais je crois qu'elle a craint une vis de forme et les a finalement acceptés. C'est-à-dire qu'elle elle, elle prétendait que puisque les témoins avaient déposé au mois de février, ça suffisait, on pouvait euh, passer à autre chose. Ce qui est incroyable, sachant que les accusations avaient déjà été modifiées deux fois et que les témoignages portaient sur des accusations qui avaient euh, déjà sept mois euh, d'ancienneté. Elle dédicte que les procureurs américains ont quatre heures pour interroger les témoins, que la Défense n'aura qu'une demi-heure. Daniel Ellsberg, le grand journaliste d'investigation, celui du Pentagon Papers, sera interviewé à 6 heures du matin pour lui. Il recevra dans la matinée à 3 heures du matin 600 pages, euh, 300 pages pardon, de documentation de la part de l'accusation américaine qu'il est censé avoir lue en venant déposer à 6 heures du matin. Mais qu'est-ce que vous voulez C'est Daniel Ellsberg et on ne le lui fait pas comme ça. Et tous les témoins de la défense seront comme ça en train de démolir les uns après les autres une accusation qui, franchement, sans parti pris, se ridiculise au fur et à mesure que les choses avancent. On verra le journaliste de Der Spiegel démonter toutes les affirmations. En réalité, on constatera que l'accusation américaine, là, lors du procès de Julian Assange, n'a qu'un seul véritable témoin, à part des médecins psychiatres qu'ils font venir pour essayer de faire traiter Julian Assange de cinglé ou de psychopathe. Ils n'ont qu'un seul témoin qui ne viendra pas, dont ils citeront, et c'est le, le ministre de justice adjoint des États-Unis. Les affirmations du ministre des Affaires des États-Unis serviront comme témoins à charge dans le procès de Julian Assange. En face de lui, on verra des Daniel Ellsberg, des Stephen Goetz, je crois, et d'autres personnalités qui, écrivent, certains par écrit, certains en, en présent, euh, se livreront à un travail de démolition. Vous pouvez lire les comptes rendus, ils sont tous euh, accessibles sur Internet. Euh, je crois que ça vaut vraiment la peine pour comprendre jusqu'où. Euh, la justice anglaise dans cette affaire est tombée. La juge Barretzer ne fera même pas semblant, elle viendra chaque matin avec un ordinateur fermé qu'elle posera sur le bureau. À la fin de la journée, elle ouvrira son ordinateur et lira les conclusions de la journée, euh, écrites donc par avance, ne s'en cachant même pas. Euh, des témoins, des avocats interrogés par la seule, le seul média qui a suivi cette affaire, c'est RT.com, merci RT, Diront, oui, ça arrive que des juges prennent des décisions à l'avance, mais c'est la première fois qu'on voit un juge qui ne fait même pas semblant de prendre des notes. Généralement, la discrétion voudrait qu'on ouvre l'ordinateur, qu'on tapote comme ça, on fait semblant de tapoter et on relit. Elle, même pas. Euh, tellement, tellement, la, euh, je ne sais pas, l'arrogance de la situation. Je pense que c'est aussi une façon de torturer psychologiquement un peu plus Julian Assange, qui à ce procès aussi était enfermé dans une cage en verre, hein, soit dit en passant. Euh, Qu'est-ce que je pourrais vous dire Que Julien Assange, on lui a réservé, ça tous les témoins le diront, un supermax aux États-Unis, qui sont des super prisons de haute sécurité, qui sont des enfers sur Terre tels que décrits par un témoin ancien directeur de prison, supermax des États-Unis, mais avec une couche supplémentaire de mesures administratives spéciales. Mesures administratives spéciales dans un supermax, ça veut dire la chose suivante. Vous êtes enfermé dans une cellule de 2 mètres sur 3. 23 heures et demie par jour. Vous avez droit à une demi-heure d'exercice qui consiste à vous transposer dans la cellule d'à côté vide qui fait aussi 3 mètres sur 2 mètres et vous tournez en rond. Vous n'avez pas le droit à la télé, vous n'avez pas le droit aux journaux, vous n'avez pas le droit à des livres, vous n'avez pas le droit à la radio. Vous avez droit à un coup de fil de 15 minutes par mois, uniquement à vos plus proches et à vos avocats. Les avocats n'ont pas le droit de communiquer ce qu'ils ont vu ou entendu à l'intérieur de la prison. Voilà, c'est le sort qui attend Julian Assange ad minima, si ce n'est pas la peine de mort, puisque les Américains peuvent changer d'accusation et éventuellement le condamner à mort. C'est chose qu'ils font couramment, malgré les promesses formulées sur coup. On apprendra aussi dans les témoignages, c'est public, je peux le dire, et là ça me fend le cœur maintenant, les psychiatres sont venus témoigner que Julian Assange était en fait légèrement autiste. Et d'un seul coup, je me dis, bande de salopards de ces journalistes qui se moquaient un peu de cette, son, son manque de savoir, de contact social. En fait, ils étaient en train de se moquer d'un autiste brillantissime, courageux, avec une éthique énorme. Je me demande maintenant comment ils doivent se sentir s'ils sentent encore quoi que ce soit dans leur putain de cœur. Voilà. Je pense qu'il y a une histoire qui reste à écrire sur le rôle de la presse. Euh, Julien n'est pas seul, contrairement aux apparences, mais il est isolé du public. Si je vous disais le nom des soutiens, allez, quelques-uns quand même. Histoire de dire que si vous joignez le combat, vous serez en bonne compagnie. Il y a Roger Waters, le cofondateur de Pink Floyd, qui a fait une, euh, un, un concert acoustique impromptu dans la rue de Londres, qui n'a été, qui qui été, été relayé par absolument aucune presse. Quand un dieu vivant, un demi-dieu vivant organise un concert acoustique dans la rue, on s'attendrait qu'il y ait quelques lignes. Non, pas du tout. Alors on verra des des vidéos de ce concert de Roger Waters improvisé dans la rue où il y aura à peine 500 participants d'après mes estimations. Il est défendu par Ken Loach, je pense qu'il y en a parmi vous qui connaissent Ken Loach, Oliver Stone. Euh, je ne vais pas vous faire la liste des journalistes d'investigation les plus réputés du moment, ceux que je suive, et les plus primés au monde du moment, qui sont à ses côtés, qui le défendent. Je peux vous parler d'Amnesty International, qui a été longtemps hésitante un peu sur cette affaire, qui lui manque encore un petit effort d'aller jusqu'à déclarer Assange Prisonniers politiques, ce serait bien, amnestique que tu fasses ça, bordel. Mais qui ont quand même lancé une pétition. Il y a la Ligue des droits de l'homme, il y a Reporters sans frontières, Human Rights Watch, des centaines d'avocats et de juristes, de médecins, d'artistes, des présidents en exercice, 1500 journalistes. Il est défendu et soutenu, tenez-vous bien par la Fédération internationale de journalistes qui représente 650 000 personnes. Il est défendu et soutenu par l'Union des journalistes britanniques et le syndicat des journalistes britanniques qui appelle littéralement tous les autres syndicats la semaine dernière à se joindre au mouvement de soutien à Julian Assange. Il est soutenu par les trois syndicats de journalisme français qui ont écrit à Macron. Il est, et il est défendu notamment, et ça me tient à cœur parce que c'est un cas particulier, par l'Union des journalistes du Mexique, le Mexique étant, vous le savez, le pays le plus dérangereux au monde pour les journalistes d'investigation, c'est un hommage rendu à Julian Assange de la part de ce syndicat-là qui sait ce que c'est, le journalisme d'investigation. Entre parenthèses, Julian Assange, qui est considéré par les charlots de nos médias qui n'étant pas un journaliste, est le journaliste le plus primé au monde de prix, de quel prix Pas des prix de beauté, pas des prix de gastronomie, mais des prix de journalisme justement. Nous avons affaire ici aux journalistes et son organisation les plus primés au monde du XXIe siècle. Voilà pour le décor, mais vous n'en saurez rien, parce qu'on a décidé que vous n'en saurez rien. Il y a aussi une censure sur les réseaux sociaux qui est réelle, ce n'est pas de l'imagination de ma part. Tous les acteurs que je viens de vous nommer en témoigneront. Euh, Craig Murray lui-même, qui recevait 200 000 visites sur son site, c'est un blogueur archi-connu en Angleterre, par jour, n'en est plus qu'à 3 000 moi-même, j'ai constaté, je crois que les camarades de l'opération Sauver Assange, j'ai vu des conversations, ils sont en train de découvrir qu'il y a un véritable shadow banning, bannissement furtif, sur tout ce qui touche à Wikileaks et à Julian Assange, et probablement à d'autres sujets. On aura, dû, on aura vu donc que la liberté de la presse dans cette affaire aura surtout consisté à exercer sa liberté pour vous tenir désinformés ou non informés sur le plus grand affaire de presse du XXIe e siècle. C'est pas moi qui le dis. Ce sont encore ces journalistes d'investigation qui savent de quoi ils parlent et qui d'un seul coup sont en train de se voir eux-mêmes censurés par la grande presse commerciale. La petite cerise sur le gâteau, je vais vous la donner. La fameuse juge qui a des conflits d'intérêts sévères avec l'affaire Julian Assange, dont le mari et le fils sont impliqués dans les révélations de Wikileaks. Oui, c'est comme ça. On est en train d'avoir affaire à une juge qui, dont le famille directe est impliquée, qui refuse de se récuser. Cette Lady Arbuthnot a été nommée à la cour d'appel il y a très peu de temps. La cour d'appel devant lequel Julian Assange devra probablement faire appel. Il y a des chances que s'il fait appel, si l'appel est accepté parce qu'elle peut lui être refusée, qu'il se retrouve face à Madame Lady Arbuthnot, qui le regardera droit dans les yeux et qui lui dira probablement quelque chose comme coucou Julien, tu te souviens de moi? Voilà. En conclusion, bah, je crois que la guerre des médias a été déclarée, les amis. Les médias alternatifs n'ont pas pris la mesure des choses. Les Américains, pendant le procès, ont dit clairement et à haute voix qu'ils viendront après les autres. Ils ont exercé une extraterritorialité dans cette affaire parce que Julian Assange n'a jamais été sous une juridiction américaine. Donc, les Américains sont en train de prétendre que leur loi s'applique à un journaliste à l'étranger qui a fait exactement le même travail qu'ont fait les journaux américains protégés par le premier amendement, mais ils ont décidé que le premier amendement ne s'impliquait pas à un journaliste étranger. Autrement dit, vous, vous êtes soumis aux lois américaines qui vous punissent, mais vous n'êtes pas protégés par la loi américaine qui sont censées vous défendre. Et l'argument qui a été utilisé par les Américains pour attaquer ce journaliste, tenez-vous bien, parce que c'est important pour nous tous, nous tous, il est le suivant. Puisque Julian Assange et Wikileaks ont publié sur Internet, et que l'Internet est accessible du monde entier, c'est comme s'il avait publié aux États-Unis. Voilà. Euh, vous êtes avertis. Ils ont dit qu'ils viendront après les autres. Qui sont les autres Je pense que ce n'est pas les Apathies. Je pense que ce n'est pas les Cohen. Je pense que ce n'est pas les Barbiers. Je pense que c'est plutôt les gens comme vous, nous, les médias alternatifs, ceux qui ont un attachement pour la vraie information, ce qui explique probablement le silence des grands médias. Donc le médi-guerre des médias est déclaré, j'ose dire que le général Assange est sur le point de tomber. Alors posez-vous la question, vous préférez quoi, un monde avec Wikileaks ou un monde sans euh, Et selon le, votre réponse, je ne peux que vous appeler à agir en conséquence. Je m'excuse, j'ai été long, euh, mais je voulais vider ce sac-là, que ce soit enregistré et que ce soit dit une bonne fois pour toutes. Merci à vous. Merci. Merci à Canard Réfractaire de m'avoir offert cette tribune. Euh, je vais quand même faire un dernier en passant. C'est quand même il y a une des grosses premières anomalies de cette affaire, c'est moi. Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, qu'est-ce que je viens foutre là à défendre un journaliste, le plus grand journaliste du monde? Est-ce qu'un inconnu est censé se pointer devant d'autres inconnus, des Français, des gens qui bossent dans les médias? Est ce que c'est moi? J'ai une autre estime de moi, ne, 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 ne vous y prenez pas mais je suis suffisamment lucide pour me dire, c'est quand même pas normal que Victor, qui c'est Victor Ben oui, vous avez raison de poser la question, qui c'est ben C'est un mec, comme je vous ai dit, qui s'est senti concerné depuis le départ et qui n'a pas lâché le morceau depuis deux ans. Et ce mec-là, il espérait il espérait que les journalistes, des vrais, des ceux qui ont le temps, ceux qui sont payés pour, euh, fassent enfin leur boulot pour sauver le plus grand journaliste du XXIe siècle. Donc la première anomalie que ce soit moi, et je suis d'autant plus reconnaissant euh, d'avoir pu venir humblement modestement, essayer de me faire le porte-parole de ces ex extraordinaires personnalités que sont Elsberg Pilger, Stefania Marizzi, Chris Hedges, Max Blumenthal, Glenn Greenwald, Jonathan cook, Gunther Wallraff, pour ceux qui se souviennent de lui, le plus grand journaliste allemand, Noam Chomsky, Matt Kenard, Mark Curtis, ça y est, je commence à les oublier, Michael Ratner, Matt Taibbi, et Kevin Kotza et d'autres. C'est en, en leur nom que je vous parle, et c'est ce silence le, qui leur est fait à eux que j'essaie de briser. Voilà. Cette fois-ci, c'est la bonne, je me tais, merci. Alors, on, on a des questions, euh, Victor, euh, à poser. Il y a, si tu as le temps de répondre euh, à, à quelques questions. Oui, ça fait, ça fait une heure et demie euh, que, que, tu, que tu nous fais le récit de, de, de cette épopée euh, terrible de, de Julian Assange. C'était, je pense, nécessaire, important de faire tous ces rappels et de, de rentrer vraiment dans le détail pour revenir là-dessus. Euh, la prochaine étape pour Assange, c'est dans 30 jours c'est le 4 janvier. De, euh, 2021. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire d'ici là C'est une question de qui ça euh, Comment aider au mieux à la libération d'Assange euh, d'ici là je euh, euh, je euh, Là, on arrive répondre, maintenant en fait. aux limites de mes compétences. Tout ce que je peux dire, c'est ayant été responsable d'une association de défense des droits de l'homme en Amérique latine pendant dix ans, il y a une chose qui est claire, et je pense que tous ceux qui travaillent dans Amnesty Wire vous le confirmeront, c'est que les procès politiques... Euh, euh, sont euh, comment dire se, voient, se réalisent dans le silence voilà c'est n'aime pas le, la lumière du jour n'aime pas l'opinion publique d'où le silence qui est organisé tout ce que nous pouvons faire comme bruit autour de cette affaire parce que' il y a, y a quand même une certaine honte de la part de l'appareil judiciaire de la des politiques britanniques des vices de forme évidentes, euh, pendant tout le long de cette histoire, de l'isolement de Julian Assange qui est maintenu, qui est toujours dans une prison de haute sécurité. Aucun journaliste semble s'offusquer de ce simple fait qu'un journaliste puisse se retrouver, le seul personne en, en Angleterre euh, en, en préventif, un journaliste de surcroît, euh, le plus primé au monde de surcroît, dans une prison de haute sécurité. Donc faire, faire du raffus, interpeller les journalistes pour leur silence. Oh, ils trouveront des réponses, ils sont rodés à ça, des réponses qui seront des conneries, des mensonges ou des esquives. Mais voilà. Qu'il ne soit pas dit que nous n'avons pas repéré leur silence. Euh, Interpellez vos élus, il n'est pas dit, nous avons tenté, il y a des camarades qui le tentent, euh, Jean-Paul, si tu m'entends, clin d'œil, amical, euh, qui font un travail phénoménal de lobbying, mais nous sommes tout un ensemble de grands gens qui ne sont personne. Nous essayons justement de trouver des gens depuis un an maintenant qui veulent bien se mouiller, prendre en main un petit peu. Euh, faire des pressions, je sais pas moi, je suis comme vous, je suis un peu euh, pas où il faut commencer. Je sais, je sais pas où il faut pas commencer, c'est se croiser les bras. Euh, tout le reste est le bienvenu au stade où nous en sommes et de là où nous sommes partis. Euh, euh, la presse a fait un, a fait son travail, d'étouffement dans cette affaire. À nous de faire le travail de de, de de prise de connaissance de cette affaire. Au moins rendre cet hommage là à, à Julien euh, que s'il devait partir, qu'il parte pas dans le silence. Et dans la nuit, comme ça, quoi. Il y a plusieurs pétitions qui sont lancées. D'ailleurs, je pense, Camino, ça peut être aussi le moment de présenter l'initiative que tu as. Justement, pour l'opération Discord. Alors, il faut bien comprendre deux trois petites choses par rapport à l'affaire Assange. Attendez, je vais juste envoyer mon push tout que ça serait plus simple. Hop là. Bon, il y a deux trois petites choses qu'il faut comprendre par rapport à. Il faut comprendre par rapport au sujet à Assange. Euh, la première, c'est qu'il y a du. Euh, personne n'en parle et c'est compliqué d'en faire parler pour plusieurs raisons. Euh, J'entends personnellement. Euh, je ne sais rien, pas si vous êtes Je ne sais pas si j'étais coupé. Allô Alors, Victor, on, on entend un Chaminou, mais visiblement, Victor n'entendait ah, pas Chaminou. Ah, pardon, que tu... bah, je. Je Victor de se déconnecter, reconnecter. Allô Dans quelle euh, amphi principale oui, Allô on ah, on nous, on Victor, oui, on t'entend chemin, nous. Ah, on Nous on t'entend, mais Victor ne t'entendait oui, pas. Il va revenir. Main, on j'entends va... tout le monde. Ok, Victor. Ah. Vas-y, Chaminou, Ok, ça bon. point. Alors, euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que il... peu de gens parlent d'Assange. Et... Je ne sais pas à quel point vous êtes familier avec le concept de shadow banning. Euh, donc c'est le fait que par exemple sur les réseaux, vous allez euh, les réseaux sociaux, vous allez avoir des informations qui par les gens qui sont intéressés et concernés vont être disponibles, mais qui à l'ampleur totale euh, sur l'intégralité sur du réseau sont très 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 peu visibles. Je vais vous donner un exemple récemment. Euh, comme vous le savez peut-être, hier euh, c'était bien hier que Macron a pris euh, la parole chez Brut euh, Ce qui se passe, c'est que euh, nous, dans, on s'est organisé, je vous en parle plus tard, on a voulu faire un post pour interpeller directement les journalistes de là-bas. Le post que nous avons, que j'ai posté d'ailleurs, c'est celui qui a recueilli le plus de likes, le plus de retweets, et euh, était euh, directement visible par les gens euh, qui l'ont fait. Allo? Tu lags oui. un petit peu, mais là c'est bon, c'est reparti. Excusez-moi. Donc, euh, c'est le poste qui a eu le plus de likes, de retweets et surtout aussi de commentaires. Ce qu'il faut voir, c'est que les gens qui ont fait ça voyaient ce tweet en étant la, en première position. Mais si vous loadez ça dans un, une fenêtre de navigation privée, comme si vous voyiez euh, Twitter pour la première fois, il fallait scroller tout en bas dans plus de réponses pour pouvoir le voir. Parce que ce sont des gens qui ont pris publiquement position sur Assange. Aujourd'hui, si vous avez Wikileaks, Assange ou quelque chose qui est associé à ce dossier sur les réseaux sociaux, vous avez une sous-exposition médiatique algorithmique. Et ça, malheureusement, ce n'est en... pas un grand complot, hein. c'est malheureusement empiriquement vérifiable, c'est ce contre quoi nous... De... Ou plutôt avec les règles avec lesquelles nous devons malheureusement composer. Donc, partant de ça, il est compliqué d'arriver à lancer de grands mouvements parlant d'Assange, et je pense qu'il serait impossible. Euh, d'arriver à le faire arriver en top tendance en France. Aujourd'hui, il faut bien comprendre une chose, c'est que Assange euh, peut encore être sauvé. Mais il va falloir jouer de manière extrêmement tactique. Dans un monde extrêmement multifactoriel, il nous reste encore quelques bons coups à jouer. Et c'est là que, euh, que les choses euh, se sont organisées il y a à peu près trois semaines. Donc, avec des gens euh, de l'after thinking et euh, des, euh, des gens de solidarité et progrès, donc euh, des soutiens de cheminade, nous nous sommes organisés pour essayer de faire de, de voir ce que nous pouvons faire pour essayer de euh, essayer de sauver simplement euh, peut-être l'homme le plus important de ce siècle. <laughs> J'ai n'ai pas d'autres mots à dire. C'est peut-être la plus grande injustice euh, face à laquelle nous pouvons être et tout le monde s'en fout malheureusement. Donc, nous avons lancé une opération Twitter pour interpeller des journalistes. Mais euh, avec euh, je, je ne dirais pas un succès limité, mais je dirais que euh, euh, c'est on a eu très peu, voire zéro réponse malheureusement, de journalistes, malgré euh, le, le fait que nous, tous les jours, nous les interpellons, tous les jours, une personne à la fois, mais personne n'en parle. Bon, ça on peut dire que c'est une petite opération et qu'on s'en fout. Euh, ce, qui est important, ce qui est important de voir, c'est que euh, le 1er janvier. Et euh, il y aura le Brexit. Le Brexit veut dire que euh, l'Angleterre va sortir des espaces de Schengen. Et c'est là que tout peut se jouer, ou plutôt avant. Il faut voir que si Julian Assange obtient l'asile politique en France, il aura de facto l'asile politique en Angleterre, ce en qui lui France. permettra d'éviter, on l'espère, à, à comment on appelle ça, un jugement et une extradition Tant aux États-Unis. Je vous rappelle que bon, si oui. Julien Assange arrive aux États-Unis. Ah, allô Oui, vas-y, vas-y, vas-y. Je... Je... On m'entend bien ouais. ou pas Excusez-moi. Ouais, mais attendez, a des cours. lags récurrents. Euh... Ah, attendez, alors attendez, je vais... vous savez quoi Bougez pas, je vais gérer ça très rapidement. Hop. Euh, point d'accès Wi-Fi, je vais passer sur ma connexion de téléphone. Ça sera normalement beaucoup plus clair. Laissez-moi quelques secondes. Sinon, Là, on t'entend bien. Ah, oui, mais ça, ça, va, ça va pas rester stable si je suis sur cette connexion-là. Okay. En plus, euh, la DSL en campagne, on, on connaît. Ou pas... Tu disais, Le si Julien Assange est, est emmené aux États-Unis, euh, je crois que c'est 175 Alors... ans de prison qui lui sont prévus, donc euh, il ne sortira jamais de ça. prison, c'est fini pour lui, quoi, définitivement. Ah c'est ça, c'est s'il est extradé aux États-Unis. Euh, D'ailleurs, on risque même de pouvoir euh, voir s'il va être extradé avant même la rendue du jugement. Il faudra juste regarder les cartes aériennes et les avions qui volent, surveiller les euh, <laughs> je ne sais plus quel est l'aéroport qui, euh, qui se retrouvera à côté, mais euh, voilà. D'après des spécialistes de la CIA, c'est Heathrow, il y aura un avion spécial de la CIA que, parmi des modèles connus qui sera probablement déjà sur place avec les machines, les moteurs en train de tourner. Vous me prêt à l'accueillir à la sortie du tribunal. Mais là, on spécule un peu, mais ce qui est sûr, c'est que s'il arrive aux États-Unis, contrairement à mon avis, à ce que beaucoup de gens pensent, ce ne sera pas le procès du siècle aux États-Unis, il sera jeté dans un trou noir et on en oubliera très rapidement. Ça il a fait l'objet mais... d'une opération de destruction aux États-Unis bien pire qu'en France. Là-bas, on lui a collé l'étiquette d'agent russe, mmh. alors que Wikileaks a publié 600 000 documents sur la Russie, sur Poutine, sur le Kremlin. Mmh. Euh, absurde en soi, mais voilà, il, il, il disparaîtra, et il n'y aura plus aucun moyen, à mon avis, de l'atteindre sauf, 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 une épiphanie d'un président qui décidera peut-être de le pardonner. Alors justement, alors, Trump, Trump, qui disait je... I love WikiLeaks, euh, qu'est-ce qu'il qu fait Pourquoi il n'accorde pas son pardon présidentiel à même à Snowden Pourquoi pas Alors qu'il distribue un peu après, les pardons. Parce, parce qu'après, il a décidé qu'il connaissait pas WikiLeaks. Oui, il a vite de changer d'avis. Oui. oui, oui, enfin c'est Trump quoi. Qu'est-ce que. Oh. Bon, il y a une campagne aux États-Unis, oui, effectivement, des gens proches, plus ou moins, qui essayent de infiltrer les réseaux euh, pour euh, tomber dans l'oreille du président. En gros, je vous la fais courte, faire un bras d'honneur à Biden et au Parti démocrate mmh. qui en veulent à, à, à Wikileaks d'avoir publié les, les courriels de Hillary Clinton, euh, de, de lui accorder, non pas un pardon, parce qu'un pardon, c'est après avoir été condamné, mais de simplement ordonner à son ministère de la Justice d'abandonner. Euh, pour, les charges. Mmh. Euh, pour la petite histoire, j'ai oublié, c'est quand même une anecdote, pendant le procès, le premier jour d'ouverture du procès, puisque les, les Américains avaient changé de charge d'accusation, c'est tellement vrai que, euh, que la juge a libéré Assange. Elle l'a libéré, elle l'a arrêté aussitôt, c'est-à-dire qu'il a été libre pendant une seconde, sur les bases et sur les fois des nouvelles accusations que les Américains venaient d'amener 15 jours auparavant, totalement hors délai, mais qu'elle a accepté comme étant valide Alors, euh, voilà. Victor, je me permets de, je, je me permets de, de finir parce que euh, par rapport à ce que nous pouvons faire ce qui est important de comprendre et ça c'est aussi quelque chose qui a été mais absolument passé sous silence euh, c'était, euh, je pense que c'était un moment où euh, Ron Branco était son conseiller juridique alors techniquement vu qu'il n'est pas euh, il n'a pas fait d'études en, en Angleterre il n'a jamais été son avocat, il n'a jamais défendu il a été son conseiller juridique pour du droit international euh, ce qu'il faut, euh, qu faut bien saisir, c'est que Julien Assange a fait donc une demande euh, d'asile politique en France, sous le mandat de François Hollande. La réponse a été faite en 45 minutes en disant non, car ce n'est pas urgent. Je vous laisse méditer là-dessus. Donc Julien Assange a déjà demandé l'asile politique en France. Il faut aussi savoir que Julien Assange a un fils, son plus jeune. Qui est à l'heure actuelle mineur, qui est aussi en France. Donc euh, il est totalement légitime, en plus de l'avoir demandé, il est intégralement légitime à être accueilli en France. La seule chose, c'est que tant que les médias n'en parlent pas, les politiques ne s'en pourront pas du chose, de, de ça, tant que le peuple français ne s'indigne pas, tant que le peuple français ne se bouge pas les fesses, entre guillemets, permettez-moi l'expression, euh, il va falloir. Euh, personne, personne ne bougera. Donc, qu'est-ce que nous pouvons faire, nous, à, à, à l'heure actuelle Je vous invite à en parler euh, à des journalistes, taguer des journalistes, faites parler de ce sujet. N'oubliez pas qu'il y a du de banning. Ensuite, avec un petit groupe de personnes, du coup, on est en train de monter une opération, ou plutôt, on est en train de, de préparer des choses qui arriveront prochainement. On vous tiendra bien évidemment au courant. Euh, L'important, ce sera de faire le maximum de bruit à ce moment-là, de partager un maximum de contenu autour d'Assange. Et euh, on, pour le, le, le but étant d'avoir une lettre ouverte, je pense, au président euh, de la République, à son premier fusible, euh, ministre, excusez-moi, euh, Jean Castex, et au ministre de la Justice, euh, du, M. Dupont-Moretti, qui, je le rappelle, a aussi été euh, impliqué dans l'affaire Assange, il l'a défendu, Assange. et malheureusement a peut-être une amnésie assez totale du dossier. Peut-être que bon, je ne m'avancerai pas pour les raisons qui l'amènent à ouais. faire ça. Oui, tu m'entends? Ouais, oui, souvent. On, euh, on, on va essayer de se focus sur la présentation de l'opération, en quoi elle consiste exactement. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Euh, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, l'autre serveur, etc. Euh, voilà, faire un petit focus là-dessus. Voilà. Alors, euh, tu veux que je fasse le, la présentation de l'opération? C'est l'objectif. Je peux la faire, mais euh, bon, je, je, vais, je, je vais me permettre de la faire. Donc, du coup. Euh... On, donc, on a créé un serveur qui nous permet d'essayer de, de, de s'organiser pour pouvoir avoir justement cette exposition médiatique et d'en parler à des journalistes. Donc, on vous donne un tweet par un note par jour de journalistes automatiquement à 9h tous les matins et vous devez prendre juste deux minutes, deux minutes de votre temps pour interpeller des journalistes. Plus nous avons de nombre, plus nous sommes nombreux à le faire, plus l'exposition sera grande et, je l'espère, pourra peut-être faire parler et délier certaines langues. Voilà. D'autres choses sont à prévoir. On vous tiendra bien évidemment au courant. Euh, le canard, euh, on, est, euh, on est avec eux, ils sont au courant. On prépare des choses avec. Euh, Alors, voilà. je, je vais apporter quelques petites clarifications <laughs> aussi sur l'opération. Euh, donc, je suis Tzu, euh, je fais partie euh, donc des, des nombreux organisateurs de cette opération. On est pas mal sur le coup, il y a pas mal de choses à faire. Donc, euh, comment ça se passe si vous voulez participer à l'opération Il y a un bot tous les matins, donc on est organisé sur euh, Discord. Il y a un serveur dédié à cette opération. Euh, dès lors que vous êtes validé, en fait, rejoindre le serveur ne veut pas dire participer à l'opération. Il euh, faut passer par un petit brief euh, avant euh, pour expliquer en quoi consiste l'opération. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas encore affectées, euh, mais c'est parce qu'ils ne viennent pas en vocal. Donc, voilà. Dès lors que vous êtes affecté à une unité, on est organisé par unité, je vous expliquerai après. Vous allez recevoir ce message-là. Elle est dans Amphi Principal. Je vous ai mis un screenshot. Donc ça, c'est un bot. C'est euh, le Père Noël. Donc ce bot-là euh, envoie un message tous les matins. Donc Papa Noël, il passe tous les matins avec un cadeau. La cadeau une... Le cadeau, c'est une cible. Donc là, si vous voyez ça dans le, dans le screenshot, aujourd'hui, ta cible est 2 points. Ça, c'est un compte Twitter. On reçoit un compte Twitter. Donc on, on copie, on colle dans un tweet. Comme l'a dit Chaminou, l'opération se passe sur Twitter. Ah oui, ah ouais, alors, petite précision là-dessus. On n'aime pas Twitter. Euh, ça, c'est la grosse mauvaise nouvelle de l'opération, c'est que ça passe sur Twitter. Beaucoup n'ont pas de compte. Euh, voilà, beaucoup se sont créés un compte pour l'occasion, parce qu'ils trouvaient l'idée bonne. Donc, si c'est le cas pour vous, n'hésitez pas à vous créer un compte Twitter pour l'occasion. Donc, l'idée, c'est qu'en fait, on va cibler tous les jours un journaliste. Ce n'est pas un rush. On n'a pas tous la même cible. On a une liste de, de journalistes. Le bot, euh, sa première fonction, c'est de dispatcher au maximum la liste voilà, parmi les participants. Et il a une autre fonction, c'est de ne jamais vous distribuer deux fois la même cible. Donc l'idée, c'est que ça change constamment. Et tous les jours, le journaliste se fait solliciter par une personne différente, au moins. Et plus si on est nombreux dans l'opération. Euh, alors Twitter, pourquoi Twitter Pourquoi cette mauvaise nouvelle Parce que c'est là où les journalistes sont actifs. Ils sont, on va dire, sur une place publique. Si on les, si on les sollicite par tweet, il y a leurs followers, leur communauté, on appelle ça comme on veut, qui sont susceptibles de voir euh, le tweet. Et du coup, de solliciter ou de relancer euh, le journaliste en question. Donc, c'est facile de faire la sourde avec des gens qu'on ne connaît pas, mais auprès de ses followers ou de sa communauté, euh, c'est un peu plus compliqué. Voilà, donc c'est un des objectifs attendus euh, sur Twitter. Euh, donc, voilà, vous recevez votre cible il y a des modèles de tweets à disposition. Pour les jours où on n'a pas le temps, où on n'a pas l'envie, ou quelqu'un qui ne connaît pas trop le dossier Assange, qui ne sait pas trop quoi dire, il peut trouver l'inspiration dans des modèles. Voilà. Alors. Ouais. Maintenant, il y a quand même eu des questions, Sunsu. Donc là, l'opération, on vous a filé le lien Donc dans l'amphi. Euh, ce qu'on va faire, c'est je pense. Euh, on va quand même prendre les questions parce qu'il y a eu des questions et on va quand même pas les, pas les sauter. Parce que Dedage a fait une super intervention. D'ailleurs, Dedage, si tu veux te un mute, euh, ça serait super. Et on va prendre quelques questions qui sont revenues. Euh, Alors. Il y a une question de Princeps 089-91 qui nous demande où commence le légitime du secret défense et où s'arrête la nécessaire transparence démocratique. C'est une excellente question et c'est un des débats qui n'aura pas lieu parce qu'on vous a refusé ce débat. Je, je me permets de rajouter la, la question de Kissia avec le secret défense est-il démocratique Uh, Julien Assange a répondu une fois que dans leur écrasante majorité, les documents classifiés le sont pour des raisons politiques et pas pour des raisons de sécurité nationale. En fait, on a affaire ici à une problématique. D'abord, l'utilisation du vocabulaire classifié, comme si c'était une aggravation du crime commis. Je rappelle que les documents en question dont on parle ici révélaient des crimes. De guerre. Quel monde magnifique pour les criminels que celui où il leur suffirait de classifier les documents, cest à mettre un coup de tampon dessus par un obscur fonctionnaire, pour classifier le crime et que, pour, et que le dénonciation du crime devienne le crime. Ah, le dérive. Il y a un débat, effectivement, qui consiste à se poser la question au fait, jusqu'où faut-il appliquer la transparence j'aurais tendance à dire, et Wikileaks, je crois, serait d'accord avec moi, très peu de cas, si on y réfléchit bien, pour un pouvoir qui serait éthique. D'abord, on ne parle pas forcément, on ne parle pas d'ailleurs de révéler les secrets d'opérations en cours. Les documents que Wikileaks avait révélés sur les guerres datées de trois ans auparavant, ils ne révélaient pas les plans d'action de l'armée américaine, mais les rapports internes post-action. Euh, il n'y avait absolument aucun secret de modus operandi ou de quoi que ce soit, mais simplement la réalité du terrain qui aurait pu être apportée par des journalistes eux-mêmes s'ils avaient été sur place et s'ils n'étaient pas dans leur ambiance embedded, embarqués. Donc oui, bonne question. Euh, débat à ouvrir qui n'a pas été ouvert parce qu'on a fait fermer la gueule à Wikileaks trop vite, trop tôt, trop fort. Mais euh, je pense que la réponse contraire, contraire qu'on essaie de nous imposer. C'est-à-dire que Wikileaks aurait publié des documents qu'ils n'auraient pas dû. À ça, je réponds systématiquement et de façon très claire. Si Wikileaks a publié un seul document sur les 10 millions qu'il n'aurait pas dû, dites-moi lequel. C'est pas la peine de balancer ça en l'air. Dites-moi lequel. Et une fois que vous l'aurez trouvé, vous aurez du mal, mais une fois que vous l'aurez trouvé, il vous restera à répondre à la question pourquoi n'aurait-il pas dû le publier. Et c'est là qu'on se rend compte que finalement, tout. Le la... discours qui a été inventé autour de Wikileaks, euh, finalement, n'aura servi qu'à vous éloigner du contenu de ces documents et justement de poser la question de la démocratie et de la transparence du pouvoir. Je crois à la transparence des pouvoirs, ça s'appelle la démocratie. Une démocratie qui n'est pas transparente, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Euh, Etienne Chouard aurait probablement beaucoup de choses à dire là-dessus. <laughs> Mais. Euh, <laughs> alors, je vais rebondir sur euh, une question euh, qui me semble. Euh, là, on a eu l'élection américaine entre Trump et Biden. Lequel serait le plus clément et plutôt euh, Est-ce que Biden, ça va changer Ça peut changer la donne. Et alors, je, je, je pense connaître déjà la réponse, mais je te, me permets de la poser. Euh, Est-ce que Biden, non, Biden, Biden, Biden été... peut changer la chose Biden, Biden, a, Biden a déclaré que Assange était un terroriste déjà. <laughs> dans un passé pas si lointain que ça. Le Parti mmh. démocrate est, a, entretient une haine profonde pour euh, Julian Assange. Euh, son soutien aux États-Unis, paradoxalement, vient des milieux euh, républicains, pro-Trump. Euh, mais en gros, on va dire que les anti- et les pros aux États-Unis notamment le sont chacun pour des mauvaises raisons. Euh, les pros, les pro, pas, pas Trump, j'ai dit, non, Assange. Que les anti et les pro-Assange le sont pour les mauvaises raisons. Les, les pro-Assange euh, le seraient parce qu'il a fait perdre Hillary Clinton et les anti parce qu'il a fait gagner Trump. Enfin bref, euh, c'est jamais une question. Et le fait qu'il ait été accusé et que l'image a été répandue qu'il serait un agent russe, ce qui est, dans le cadre du Russia Gate, etc., euh, est impardonnable, on va dire. C'est aussi clair que ça. Donc, alors, si on théorise sur la, le deep state, on peut moi je suis plus un petit peu plus en recul, je suis sur la position de Noam Chomsky, qui dit que la seule chose qui différencie le parti démocrate du Parti républicain en réalité, c'est le sexe, c'est-à-dire une attitude sur les mœurs sexuelles, le parti démocrate étant plus libre, libéral, que le parti républicain plus conservateur, pour le reste, tout le reste, ils sont pratiquement interchangeables. Il y a des gens au Parti républicain qui sont plus progressistes que les gens du Parti démocrate et vice-versa. Actuellement, à ma connaissance, Julian Assange a fait l'objet de deux interventions euh, demandant son pardon. C'est la candidate Tulsi Guba de Hawaï euh, qui a demandé à Trump d'intervenir, de, de le pardonner, comme ils disent. Hein. Voilà, il n'y a pas de pardon, il n'a pas commis de crime. Mais acceptons la terminologie, ne chipotons pas. Et il y a le libertarien Ron Paul, classique, ça m'étonne pas, et quelques sénateurs ou membres du Congrès qui se sont joints, deux ou trois, pas plus pour l'instant, qui se sont joints à l'appel de Tulsi Guba. Pour le reste, non, je crois pas. Um, alors, est-ce qu'on va prendre... Il y a quelques autres questions. Ah. La France insoumise a-t-elle lâché Julien Assange C'est une question de énervé, euh... Parce qu'on a eu, on a eu, euh, on a eu euh, des qui avaient euh, soutenu. Lâcher n'est pas le mot. Je vais dire, euh, hop. si en fait je pourrais dire lâcher, mais c'est compliqué parce que euh, j'ai constaté un phénomène bizarre. Beaucoup de gens qui ont pris position à un instant donné pour Julien Assange sont tombés dans le silence. Je pourrais parler d'Asselineau, qui a été l'un des rares politiques français à le, à le soutenir. À ma connaissance, euh, voilà. Il y, a, mm. il y a eu Mélenchon, effectivement. Euh, J'ai essayé de l'interpeller. Nous avons essayé de l'interpeller. Il y a quelques députés de la France insoumise qui seraient euh, prêts à inter interpeller le gouvernement par une question orale ou écrite. Euh, si Julian Assange a été lâché soit volontairement, soit par inattention ou désintérêt, euh, il l'aura été en tout cas par l'écrasante majorité de la classe politique et pas simplement de la classe politique. J'aurais espéré, étant quelqu'un de gauche, les gens que j'ai côtoyés pendant des années de diverses parties, euh, soit soit de la partie. Et si je reçois de leur part régulièrement. Euh, des remerciements pour le travail que je fais et il me reste à constater quelque chose sur le terrain. Donc, s'il a été lâché, ouais, il a été lâché par beaucoup de monde. Alors, je vais prendre une dernière question, je pense. Est-ce que, est-ce que Sun, tu veux faire un dernier brief sur l'OP avant que je pose une dernière question à Victor et je pense qu'on rendra l'antenne. Non, non, mais globalement, tout à l'heure j'ai dit ce qu'il avait à dire sur l'opération, donc je pense que vous avez compris globalement. On ne pas sur Twitter, euh, on ne spam pas non plus, on cible les journalistes. Euh, voilà. Pour plus de détails sur l'organisation, euh, soit on pourra en parler après, soit venez sur le serveur euh, de l'opération Assange on passera en vocal là-bas, euh, pour ne pas mobiliser les personnes ici euh, là-dessus. Mais rejoignez le serveur mmh. au moins et après on passera en vocal. Quoi. On passera euh, probablement demain. Alors, je vais poser la dernière question à, à Victor. Toi, journaliste, euh, toi qui as un grand passé, euh, quel est ton point de vue sur la liberté de la presse Oh vous avez du café euh, entre les mains, les gars? Je suis désolé hein, bon, hein, Alors je fait. vais la faire courte, <laughs> je vais la faire courte au cas où ça intéresse quelqu'un. Ouais, voilà. D'abord, je déteste la liberté de la presse à l'époque où j'étais encore invité dans les écoles de journalisme parce qu'il était toujours de bon ton de venir faire, de faire venir intervenir ces étranges individus qu'on appelait les médias alternatifs. Donc de temps en temps, il m'arrivait en Tunisie, en France, en Belgique, d'intervenir dans les écoles de journalisme. J'avais un truc que je faisais, que j'aimais bien, histoire d'attirer l'attention des petits gamins. Hein. Je posais une question d'introduction qui était la suivante. Qui est contre la liberté de la presse Et j'attendais. Bien entendu, personne ne le levait la main. Et moi, je comptais patiemment jusqu'à cinq et je l'entais, et je levais de façon théâtrale lentement la main. Et les, gars, et les, et les, et les, les étudiants, ouh, qui c'est ce gars-là? Alors, donc, moi, je dis simplement que je suis contre cette expression pour des tas de raisons. La première étant que euh, la presse désigne, euh, semble désigner une industrie. Euh, absolument pas. Et ensuite, il nous reste à définir ce que c'est que cette liberté. Dans le, dans Bien entendu, il est souvent présenté comme la liberté d'informer, mais ça c'est ça, ça c'est la partie sexy qu'on vous vend. Mais la liberté de la presse, c'est surtout l'impossibilité de les de les critiquer ou de d'encadrer la presse sous prétexte de porter atteinte justement à sa liberté et sa liberté jusqu'à présent. La plus grande liberté dont elle a fait épreuve, c'est de, de participer à des guerres, c'est de relayer la propagande états-unienne comme le New York Times l'a fait pour les guerres en Irak, c'est de participer au silence autour de Julian Assange. Euh, sa liberté consiste aussi à nous désinformer, à publier des articles bidons comme le New York uh, Guardian, etc. Donc moi, humblement, j'invite les gens à changer de paradigme et de se débarrasser de cette expression « liberté de la presse », notamment euh, si nous faisons partie des médias alternatifs, parce qu'il y a quand même un problème de brandir le même slogan que nos ennemis. Eux aussi le brandissent. Donc tu sais intuitivement que tu es sur la mauvaise voie. Et pourquoi on peut le remplacer Ce n'est pas que je n'y pas réfléchi, mais je vais essayer de la faire courte. C'est de dire euh, il faut la remplacer par le droit de savoir du citoyen, notre droit à l'information. Si nous avons un droit à l'information, alors informer devient euh, non pas une liberté pour la presse, mais un devoir. Et ce, ça, cela implique, supplante et induit. La véritable information. Cela veut dire qu'il faut donner les moyens. Cela veut dire que la désinformation ne fait pas partie du projet dont nous parlons. C'est-à-dire que votre liberté s'arrête exactement où commence mon droit de savoir. Ben, je pense que sur ces sages paroles, on peut conclure euh, cette intervention. Victor, on te remercie infiniment. De, de Merci à vous, content. les gars. Merci pour euh, peut-être faire une perfusion de café avant de venir. <laughs> <laughs> c'est vrai. <laughs> voilà. je vais essayer de trouver le sommeil, ça va être dur. Parce qu'après toutes ces soirées, c'est toujours la même chose. Ah, j'aurais dû dire ci, j'aurais dû dire ça, j'ai été trop long, ça a fatigué, je me suis trompé là, etc. Quoi. Donc ça va jusqu'à 4 heures du matin comme ça. Ouais. Mais bon, ça fait partie de l'exercice. On vous, tiendra, on vous tiendra au courant en temps et en heure quand il y a des, des évolutions sur qu'est-ce qu'on peut faire pour Assange. Effectivement, c'est la première chose qui, euh, qui nous arrive c'est euh, qu'est-ce qu'on peut faire quand on t'entend parler. Bah, euh, vous inquiétez pas, on essaye, de, on essaye de faire au maximum depuis nos chambres pour que ça change et on vous tiendra au courant. Voilà. Bah, rejoignez le serveur effectivement, ce sera un bon début. Ouais. Et euh, dessus, on vous donnera des informations sur une opération qui a déjà commencé depuis cinq jours. Et, euh, et alors, il n'y en a pas eu beaucoup, mais il y a malgré tout eu des réactions de journalistes. Euh, donc, euh, c'est assez intéressant. et En plus, il manque quand même hein, le site internet qui sera une grosse colonne vertébrale de, de l'opération, sur lequel il y aura un article, un bel article sur Julian Assange avec euh, tout plein de sources, de sorte à ce que les, si un journaliste veut s'emparer du sujet, en fait, qu'on lui ait mâché le travail, qu'il puisse le faire vraiment facilement. Euh, parce que c'est pas tout d'aller euh, mentionner des journalistes, on attend une réaction de leur part. On, on va chercher cette réaction de leur part. Euh, donc voilà, il y, y a encore des grosses choses de l'opération qui doivent arriver, mais on a déjà commencé euh, mentionner journalistes, etc on est actuellement euh, 160 170 à envoyer des tweets tous les jours, donc c'est pas rien euh, surtout qu'on a ouvert le serveur il y a un peu moins d'une semaine donc euh, ça c'est encourageant, donc vraiment rejoignez-le, et je pense que si vous êtes beaucoup, on, fera, on va faire un brief sur le serveur à côté, maintenant, pour ceux qui, qui veulent euh, en savoir plus sinon ce sera demain, il y a deux, il y a deux briefs par jour, un à midi h 30 l'autre à 21h N'hésitez pas à rejoindre et vous aurez toutes les infos qu'il faut. Et merci au Canard Réfractaire euh, euh, pour cette, euh, cette tribune accordée à, à Victor. Merci à okay. vous d'être venu. Euh, merci aussi euh, du coup Chaminou d'avoir animé. Euh, merci Victor et merci Cali qui mm -hmm. est là depuis <laughs> depuis fort fort longtemps. Depuis 10h ce matin. Euh, je, je tiens le coup, il n'y a pas de problème. Et rendez-vous demain pour la suite. Je vous propose de clôturer cette journée d'université là-dessus. On a réouvert les salons vocaux en bas, donc ils sont limités à 15-20 personnes euh, pour l'after, pour ceux qui décident. Euh